Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vais activer ma webcam pour ce petit live bien sympathique. Hop. Tadé ! Et me voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous commenciez à vous connecter au live. Et puis on va se faire une petite session questions-réponses. Et je vais vous jouer aussi certainement en live la ligne de basse du Lundi Groovy de cette semaine, qui était dédié au jazz et au groove. Hop. Bon matin du Québec à toi aussi. C'est excellent de pouvoir recevoir toutes vos questions. Ah, sauf que je vois pas ton prénom. Bon, c'est pas très grave. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien déconfiné et que le déconfinement se passe bien. Dans la joie, la bonne humeur, la santé surtout, le luxe qu'est la santé. Voilà. J'espère que vous avez profité aussi de ce confinement pour pouvoir vous focaliser davantage sur votre pratique instrumentale, pour pouvoir progresser, avoir plus de plaisir, etc. Donc pareil, je vais encore attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte pour pouvoir répondre aux questions. Parce que si je suis tout seul dans ce live, c'est pas grave, je vous ferai de la musique, je vous jouerai des groupes. Donc normalement je suis en simultané à la fois sur YouTube et Facebook. Donc on verra si ça fonctionne bien, c'est la première fois que je fais ça. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hop, donc je vois s'il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver. Hop, je vais vérifier si ça fonctionne bien aussi sur YouTube. Des fois, avec le direct, on sait jamais. Hop, je m'assure d'avoir coupé le son. Parfait. Donc ça fonctionne bien sur YouTube aussi. Génial. Quelle époque merveilleuse. Hop là. Donc en fait, j'avais envie de vous jouer la ligne de base de ce Lundi Groovy. Donc je vais le faire en attendant qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je vais juste faire quelques tests de son. D'ailleurs, dites-moi si le son de la basse est bon. Il y a Regmen qui dit oui, ça marche bien, Johan. Trop cool, super. Donc, on y va. Je vous joue cette ligne de basse. Je vais mettre un petit clic. C'est parti. Thank you.
ça vous intéresse, on peut voir comment fonctionne cette ligne de basse. Alors, je lis vos commentaires. Le son. Yeah, groovy, cool. C'est génial d'avoir vos commentaires. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières, que ce soit concernant cette ligne de basse de cette semaine, dans le cadre du lundi groovy, ou que sais-je, des questions, comme vous voulez, en fait, je suis là pour répondre à vos questions, c'est le but de cette session, de toute façon. Donc, je vais partager les questions au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Sekouba, ça fait longtemps, mon ami. Oh yeah, Sekou, il faut que je t'appelle. Ah, ça fait trop plaisir d'avoir de tes nouvelles. Super bassiste, Sekouba. Un grand bassiste. Ah, oh, génial. Alors, salut. J'avais une question, comment on groove avec une basse normale? Alors, qu'est-ce que tu entends par comment on groove avec une basse normale? C'est une question rigolote. Alors, aucune question n'est stupide, n'est bête. Je rigole parce que je suis en train de réfléchir à la réponse en toute transparence. Alors, je vais relire la question parce qu'elle me perturbe en plus. J'avais une question, comment on groove avec une basse normale? En fait, il n'y a pas de basse normale ou de pas basse normale. En fait, tu vas juste t'amuser à faire sonner ton instrument en utilisant un maximum tes émotions. Et pour pouvoir exprimer ça, bah, tu vas utiliser des outils comme la technique. Donc, ça peut être le jeu au doigt, le jeu au slap, au mediator, ce que tu veux, que sais-je. Mais l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir exprimer des émotions, des sentiments et de pouvoir avoir un discours musical qui va toucher les personnes qui vont t'écouter, tu vois. Donc, moi, je donne souvent l'exemple de si, par exemple, je prends une mélodie, si je prends... Et tu peux faire ça avec n'importe quelle basse, tu vois. L'idée, c'est d'aller à l'intérieur de toi, d'aller chercher les émotions, d'ouvrir toutes les portes, tu vois, des émotions, la joie, la tristesse, la jalousie, tout ça, en fait, tous ces sentiments, toute cette échelle émotionnelle, en fait, et de t'amuser à trouver ce qui correspond à ta personnalité par rapport à ces émotions. Donc, quand je suis joyeux, comment je sonne? Quand je suis triste, comment je sonne? Quand je suis jaloux, comment je sonne? Etc, etc. Donc, j'espère que ça répond à ta question. alors, d'autres questions, bravo, merci. Hop là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, sinon je vais faire de la musique, je vais improviser des choses. Comme d'habitude, hein, le but de faire des lives, c'est de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir répondre à vos questions quand vous en avez, pour en avoir un milliard, et je répondrai à toutes les questions. Et d'ailleurs, là, c'est moi qui vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les conversations de Pig? J'aimerais bien avoir votre avis. Donc, j'ai la réponse, parce que je suis mes statistiques de partage sur Spotify, iTunes, etc. Mais j'aimerais bien avoir vos feedbacks en réel, parce que bah, c'est différent que de juste regarder des statistiques, de dire « Oui, il y a eu 1000 partages, 1000 écoutes en 24 heures, super !» Donc, je sais que ça vous plaît, mais en fait, je devrais reformuler ma question. Qu'est-ce qui vous plairait davantage, en fait, dans les conversations de Pig, tout simplement? Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver depuis YouTube. Super explication. Eh bien, voilà! Je suis content! Excellent. Alors, connais. Salut, Johan. Juste une question. Aucune question n'est bête. Comment fais-tu pour bien placer tes notes au moment où résonne la grosse caisse de batterie? Ah, excellente question. Tu vois, c'est pas une question qui est bête. De toute façon, aucune question n'est bête. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est un mauvais monologue interne. Alors, comment je fais pour faire en sorte que la grosse caisse résonne? Je vais réfléchir aux fréquences. En fait, je connais bien ma manière de jouer d'un point de vue jeu, d'un point de vue placement rythmique, mais aussi d'un point de vue fréquence dans le mix. Donc, c'est pas juste le son de la basse là tout seul. Tu vois, si je fais le son de la basse comme ça tout seul, il y a des gens qui vont trouver ça boomy, ou il n'y a pas assez de médium, ou il n'y a pas assez de... Bref, ils pensent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Moi, j'ai travaillé mon son d'une certaine manière pour que, peu importe dans quel contexte musical je me retrouve, quand j'ai besoin de jouer un groove, si je fais... Si je fais...
le son est pas du tout le même. Donc du coup, la manière dont ça va résonner dans le mix, bah, ce sera pas du tout pareil. Mais par contre, on va entendre la basse, on va entendre la présence de la basse, on va capter le détail du doigt de la basse, tu vois. Et j'ai vraiment axé mon travail technique là-dessus, sur le son, je le dis un milliard de fois dans tous les articles sur le blog bassistepro.com, je t'invite à les lire. Et c'est super important. Après, pour répondre concrètement à ta question par rapport au placement, j'ai énormément pratiqué de syncope, c'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps à relever des solos de batterie, de percussion. Je vais jouer en même temps que le percussionniste. C'est-à-dire que si un solo de percussion, je vais m'amuser à apprendre ça par cœur et à poser ma basse dessus pour être tout le temps synchronisé avec le musicien et de jouer avec des disques. En fait, c'est magique. Pourquoi? Parce que quand tu joues sur un disque, c'est comme si tu jouais pour de vrai avec cette personne-là. Donc imagine, je sais pas, moi, t'adores le jazz et puis t'as un solo de batterie de Tony Williams. Bah, je t'invite à faire ça. Tu prends, même si t'arrives pas à jouer tout le solo sur ta basse, tu prends 4 mesures et tu prends les phrases du possible au mieux comme tu peux. En fait, tu fais ce que tu peux. Tu te mets pas la pression. Et tu prends 4 mesures où tu vas prendre les phrases de Tony Williams et tu vas les mettre sur ta basse. Et après, tu fais ça, tu t'amuses à faire ça sur une gamme pentatonique, sur une gamme majeure, ou même que sur une note, tu vois. Et c'est super intéressant parce que tu vas découvrir que, ah, il y a des placements rythmiques que j'aime. Ah, quand je joue ça comme ça, j'ai remarqué que bah, je suis beaucoup plus tight après en réel avec les percussionnistes ou les batteurs, etc., etc. En tout cas, c'est ce que je fais dans ma pratique personnelle. Donc, il y a ça. Pratiquer énormément les syncopes dans tous les débits, donc par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, 9, etc. D'ailleurs, s'il y a des élèves de la formation GLAP, ils te le diront, ils en mangent plein. Donc, tous les débits, c'est important. Donc, ta, ta, ka, ta, ki, te, ta, ka, di, mi, ta, di, ge, na, tom, ta, ki, te, di, ki, te, ta, ka, di, mi, ta, ki, te, ta, ka, di, mi, ta, ka, du, no, ta. Tu dois pouvoir t'amuser de manière très claire à visualiser le rythme. Comme ça, tu sais que, ah bah tiens, là, j'ai enlevé une double ici, j'ai enlevé une double là, et tu t'amuses dans tes placements. Et quand tu entends justement un batteur qui est un fin rythmicien, parce que ça, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, et des excellents techniciens, mais des bons rythmiciens, pas tant que ça, malheureusement, je trouve, à mon goût. Mais en tout cas, quand tu auras la chance de pratiquer avec un ou des bons rythmiciens, et que tu auras fait ce travail-là en amont, tu vas voir, ça va être magique. Il va se passer des choses, des connexions, tu vois, c'est juste puissant, en fait. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je vois que les questions sont en train de pleuvoir. C'est génial. Merci pour votre participation. C'est super. Alors, une autre question. Comment trouver les lignes de basse dans les musiques? C'est une excellente question, tu vois. Alors, comment trouver les lignes de basse dans les musiques? Ce qu'il faut faire, dans un premier temps, c'est de te focaliser sur les fréquences graves. Parce que chaque instrument a son spectre, a son registre, a son timbre, tu vois, donc il y a tous ces éléments-là. Et du coup, ce qu'il faut, c'est essayer de te focaliser sur ce qui sonne grave, comme ça. Et une fois que tu as fait ce travail-là, tu vas commencer à reconnaître au fur et à mesure le registre de la basse, tu vois. Moi, au début, quand j'ai commencé aussi la basse, déjà, je ne savais même pas ce que c'était qu'une basse. J'ai découvert ça au magasin de musique en allant l'acheter, pour anecdote. J'ai commencé la musique donc à l'âge de 17 ans dans un groupe de métal Wakey, ouais, à Maubeuge. et le bassiste de l'époque, Marco, venait rarement aux répètes. Et moi, j'étais là toutes les répétitions, j'étais curieux. Et puis, j'avais envie de faire de la musique. Je savais pas trop quoi faire de ma vie, en fait. J'étais danseur à l'époque et je me voyais pas faire une carrière de danseur. Enfin, bref, c'était un peu compliqué en plus avec tout ça. En tout cas en France, j'aurais dû aller en Angleterre ou aux États-Unis, enfin bref. Et je décide de mettre à la musique. Je me dis peut-être qu'il y a un truc à faire dans la musique et je ne serais pas obligé de faire des études conventionnelles. Chemin A, si ça marche, je fais ça toute ma vie. Chemin B, si ça ne marche pas, je fais le chemin C. Ah bah je peux faire ça toute ma vie et je suis caissier. J'en sais, j'ai une connerie, tu vois. J'ai rien contre les caissiers, ceci dit. Mais j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui me plaise. En fait, ça ne me dérange pas de bosser beaucoup, tu vois. Je ne compte même pas mes heures, tu vois. Je compte plutôt les heures que je dors, mais de faire quelque chose qui me passionne. Parce que quant à ça, en fait, tu peux travailler 15 heures, 20 heures par jour, c'est pas du travail, parce que c'est une passion, tu vois. Et puis tu développes plus rapidement tes compétences aussi, tu vois, surtout si tu es de nature curieuse, etc. Donc, voilà, je m'éloigne pour répondre à ta question. Et du coup, comment je faisais pour reconnaître les lignes de basse? Mais en fait, j'y arrivais pas, tout simplement, c'est là où je voulais en venir. J'y arrivais pas, et à un moment donné, je me suis posé.
Et j'ai pris un piano et j'ai essayé de reconnaître les spectres différents. Donc à l'époque, j'avais un Yamaha PSR 78, je ne sais même pas si ça existait, un truc comme ça, enfin les modèles PSR ou PXR, je ne sais plus. Enfin bref, les petits Yamaha, voilà, les petits claviers joués en fait. C'est un truc que j'avais eu pour mes 14 ans. Et je me suis amusé à me dire, bah tiens, Johan, tu vas faire un exercice, tu vas prendre n'importe quel son et tu vas jouer des notes au hasard dans les graves juste pour habituer ton oreille à reconnaître le registre des graves. Parce que tu vois, si par exemple tu prends, je sais pas, le son de la basse, oui, tu vas le reconnaître au bout d'un moment. Mais si tu mets le son d'un trombone ou la main gauche du piano, bah tu vas être perdu. Ça va être difficile de faire des relevés, de reconnaître les notes et d'entendre parfaitement la note que tu cibles. En fait, moi l'idée, mes oreilles en fait, c'est comme des yeux. Tu vois, c'est comme les yeux d'un aigle. L'idée, c'est que tu vois ta proie là-bas, sauf que la proie, c'est la note de musique. Et puis tu fais un zoom, tac 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 tac, bish, et t'as ta cible. Et l'idée, c'est de pouvoir à chaque fois, dès que tu écoutes quelque chose, c'est comme si tu appuyais sur un bouton solo et tu n'avais que la ligne de basse. Et l'idée, c'est vraiment de développer ta pratique instrumentale, dans ta routine, tu vois, de pratique, de faire en sorte qu'à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois que tu écoutes des choses, oui, là, je me concentre, je suis que sur la basse. Là, je me concentre, je suis que sur la grosse caisse. Là, je me concentre, je suis que sur X, Y, Z, tu vois. Et en fait, c'est un exercice de concentration, c'est un exercice assez mental, hein, ça va te demander pas mal d'énergie au début, de ressources. Mais plus tu vas le faire, tu vois, plus tu vas t'améliorer et au final, ça te demandera plus d'énergie. Tu vas écouter un morceau, on va dire, bah tiens, là, est-ce que tu peux apprendre ça? Tu vas l'écouter en une fois, tu auras pris l'harmonie, la ligne de basse et les placements rythmiques. Et du coup, tu peux aller faire ta session tranquillement avec tes copains. J'espère que ça répond à ta question. Désolé, je suis beaucoup bavard comme d'habitude, je ne change pas. Alors, pour être sûr que j'oublie aucune question. Alors, salut Johan, juste une question. Donc ça, j'ai déjà lu. Did you enjoy playing with the Gnawi in SRE? Oh yeah! A lot! Alors, je ne sais pas si tu comprends le français, mais je peux te répondre en anglais et faire la traduction en français. J'espère que ça ne fera pas Jean-Claude Van Pig. Alors, yeah, I really enjoy my trip in Morocco, and especially with the Gnawa. I was in Essaouira, but first, I think my first trip was in 2006, yeah, 2006, and it was, what was the place again, the name? Merzouga. I was in Merzouga and I found a fantastic teacher, Mahjoubi, if I can remember his name, Mahjoubi or Mahjoub something, I'm sorry if I'm saying wrong, but yeah. Super, super spiritual trip and the music, the vibe was just great, amazing. Donc je disais, donc là je vais faire mon Jean-Claude Van Pig, traduction, comme la question était posée en anglais, je réponds en anglais. Donc maintenant en français, oui, mon premier trip au Maroc, ça a été en 2006. Et comme il me posait la question, est-ce que j'ai kiffé mon trip avec les Gnawa à Essaouira au Maroc, et je racontais que en fait mon premier trip au Maroc avec les Gnawa, c'était à Merzouga en 2006, et que j'ai toujours mon professeur qui est là-bas, qui est un natif local, Majoubi, j'espère que je prononce bien. Et ouais, j'ai appris énormément, énormément de choses, quoi. Tu vois, l'idée, c'était mon délire, c'était vraiment de pouvoir imiter du mieux que je le puisse cet instrument magnifique qui est le guembri, tu vois, parce que wow, il y a tellement de belles choses à faire. So, I'm gonna explain in English now. Jean-Claude Van Pig, je switch. I really enjoyed my trip in Morocco, and it's one of my favorite places in the world, and especially for the Gnawa music, Aïssaoui, everything. You know, the Berber music, everything is just fantastic.
And plus, food is amazing. Et en plus, la nourriture défonce. J'adore. Autre question. J'ai perdu mon index gauche, mais c'est plus dur de faire de la basse. Alors, ok, tu as perdu ton index. Bah, dans ce cas-là, je t'invite. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. Je vais dire une connerie. Je vais dire, je t'invite. Mais en fait, non. Tu t'es déjà invité à utiliser les trois doigts. Regarde comment faisaient. Il y a des bassistes. Alors, j'ai plus leur nom en tête, mais qui ont eu le même problème que toi, en fait. Je sais plus comment ils s'appellent. Je crois que c'est plutôt un bassiste serbe ou américain. Bref, je retrouverai, je mettrai dans la description du replay les références. J'irai faire des recherches parce que là, je m'en souviens plus. Mais pense, une autre personne qui me vient en tête comme ça, c'est Django Reinhardt, tu vois. Tu peux regarder les vidéos. Alors, je ne sais pas quel doigt exactement il a perdu, ça, je ne sais pas. Mais je t'invite vraiment à regarder comment il joue son instrument avec peu de doigts. Il y a des bassistes, je ne sais plus, il y a un ami belge qui m'a dit qu'il avait un pote belge qui avait un handicap au doigt et qui faisait des trucs de malade, mais je crois que c'est la main droite. Mais en tout cas, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est faire un travail de rééducation. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Ça m'est jamais arrivé. Et j'ai jamais eu d'élèves confrontés à ça. Mais si ça devait m'arriver un jour, la première chose que je fais, c'est un travail de rééducation, de réflexe. Tu vois, parce que tu as de la mémoire musculaire. Quand tu joues un instrument, tu vas fermer les yeux, tu sais que tu peux faire. Parce que tu as l'habitude de faire ça. Donc, si après il te manque un doigt, ce qui est ton cas, tu vas dire, ok, avant je faisais ça les yeux fermés, j'ai toujours la sensation fantôme que ce doigt existe, etc. Du coup, bah, je ne peux pas le faire parce que je ne l'ai plus. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois reprendre des nouvelles habitudes. Et l'idée, ça va être de rééduquer tes muscles et ta mémoire, notamment musculaire, avec ces nouvelles habitudes. En décortiquant tout. Ça va pas être parfait au début, c'est pas grave, on s'en fiche, mais plus tu vas le faire et plus tu vas te développer parce que tu vas faire ok, et tu vas gagner en confiance en toi, tu vas dire ok, c'est possible, et tu vas développer même des choses que des bassistes à quatre doigts ne pourront pas faire. Donc je sais pas, dis précise-moi si c'est main gauche ou main droite, je suis parti dans mon délire que c'était la main gauche, mais ouais, c'est ça, tu as écrit index gauche. Bon, il suffit juste que je lise ta question, tout simplement. Voilà. Alors, ça défile les questions. Ça là. Comment tu as appris à jouer une méthode seule ou un prof? Alors, je suis autodidacte. Je suis autodidacte, sauf qu'au bout d'un an, je tournais en rond. Et j'ai rencontré une personne formidable qui s'appelle Éric Plantin, qui a été mon deuxième professeur de basse. Parce que c'est vrai, avant de rencontrer Éric, j'ai rencontré un autre professeur, mais c'était pas régulier en fait. On s'est vu peut-être une fois ou deux, mais je le considère quand même comme mon professeur parce que c'est la première personne qui m'a montré le béaba. Mais la première, en tout cas, personne avec qui je me suis assis pour faire un vrai travail sur la technique, la connaissance, c'est Eric Quentin. Et ça m'a fait un bien fou parce qu'en plus à l'époque, je savais pas jouer au doigt, je faisais tout au slap, au pouce, comme ça. Je savais pas qu'on pouvait jouer au doigt et tout, enfin bref. Donc c'est un mélange de ça. Et puis après, je me suis intéressé à la musique classique, parce que j'ai démarré avec le rock, le métal, tout ça. C'est pour ça aussi qu'au bout d'un moment, j'avais cette sensation de tourner en rond. Et ce qui était vrai, c'est pas qu'une sensation, je tournais en rond. Je jouais toujours les mêmes choses, etc. Je me suis dit, ah, je vais étudier la musique classique. Ça me permettra d'apprendre à lire la musique. Ça me permettra de pouvoir faire de la reconnaissance de notes, etc. Donc j'ai appris à jouer le piano. J'ai appris à jouer de la contrebasse classique, etc. Et puis après, c'est les voyages aussi, notamment et surtout, c'est-à-dire que depuis 2005, j'ai un délire, c'est que tous les ans, je m'offre entre un et deux voyages dans lesquels je pars avec ma basse. Je pars tout seul, toujours. Je pars avec ma basse pour 2 semaines et je vais me poser quelque part avec un maître. C'est pas forcément quelqu'un qui joue de la basse, hein. Ça peut être justement comme Majoubi, quelqu'un qui joue du gomri ou quelqu'un qui va jouer du balafon. Quelqu'un qui va jouer un instrument de tzigane ou indien ou latin, peu importe. Mais j'adore faire ça, me poser 2 semaines minimum, un mois maximum, c'est bien, et étudier la musique sur place, c'est-à-dire poser des questions, remettre en question ma technique, ma perception de la musique, découvrir aussi d'autres manières d'enseigner la musique, la pédagogie, tout ça, parce que c'est aussi une passion, même si mon métier avant tout est être un musicien de session. Voilà. Et puis c'est un mélange de tout ça en fait. Et j'ai pas beaucoup utilisé de méthodes et de choses comme ça.
Je suis transparent là-dessus. Alors, je sais pas, j'étais pas à l'aise en fait. Dans les méthodes que j'ai utilisées, il y avait pas mal de méthodes agostini, en fait, juste même une seule, c'était la lecture syncopée, voilà, d'Agostini. Donc ça, j'ai dévoré ce livre à l'époque. Et parce que justement, je faisais le même travail que les batteurs, c'est-à-dire que s'il y avait un, un. Ça me permettait de pouvoir bien apprendre à lire avec un métronome et juste de jouer les rythmes. Et de temps en temps, j'ajoutais des débits. J'ajoutais des débits et le but, c'était de jouer la partie rythmique. Voilà. Et sinon, dans les méthodes, il y a quoi d'autre? Si, il y a peut-être le dandelot pour la lecture de notes. Ça, c'est vrai, ça m'a énormément aidé. Après, en méthode, non, il n'y a pas grand-chose, en fait, hein, finalement. Après, c'est plutôt des livres comme le Standing in the Shadow of Motown, en hommage à James Jamerson. Donc ça, c'est vraiment LE livre qui m'a permis d'apprendre à lire la musique. Il n'y avait pas de tablature, il n'y avait rien, je devais me débrouiller, etc. Faire un mix entre ce que j'entends et de chercher note à note avec les tonalités. C'est un super travail passionnant à faire. Et je le fais toujours une fois par an, une petite mise à jour. Je mets le livre, hop, le métronome, et je joue les lignes d'hommage, j'aime bien. Sinon, ouais, comment j'ai fait principalement, c'est les voyages. Pour ça que j'adore aussi les voyages, tu vois. C'est toujours de pouvoir confronter ma mentalité avec d'autres mentalités. Tu vois, j'aime bien être avec des Latins, j'adore être avec des Indiens, j'adore être avec des Africains ou avec des musiciens de l'Europe de l'Est. Tu vois, il y a tellement de belles choses à faire que ouais, j'aime ça en fait. J'aime me confronter aux autres et essayer de métisser, de mélanger tout ça dans mon jeu. Je sais pas si ça répond du coup clairement à ta question. Après, par exemple, dans les profs de basse, si ça t'intéresse, une des deux personnes qui ont changé ma vision de la basse, il y a Vincent Segal, que j'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Je peux vraiment le dire ouvertement, aujourd'hui, j'ai appris à faire de l'accompagnement grâce à lui. Parce qu'avant, j'étais parti pour être un mec qui jouait que des trucs Jaco et Marcus à toutes les, dans tous les trucs comme ça. Parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire pour pouvoir être musicien professionnel, je ne savais pas. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et il m'a vraiment apporté cette clarté. Du coup, je lui dois vraiment ça. Et puis après, il y a un bassiste qui enseigne à Boston, c'est une encyclopédie de la musique latine. J'en parle tout le temps parce que vraiment, il a changé aussi ma perception de mon jeu aussi rythmique, etc. Quand j'étais en pleine phase de recherche avec Trilok. Et ce bassiste s'appelle Oscar Stagnaro. C'est vraiment un grand bassiste, c'est vraiment un grand musicien. Franchement, c'est aussi grâce à lui que je suis chez Warwick. C'est lui qui m'a dit, bouge tes fesses, va te faire endorser, va voir Warwick, etc. Enfin, bref. Et c'est une encyclopédie de la musique latine. C'est-à-dire, en gros, tu le rencontres, t'es guitariste ou pianiste, tu dis, je voudrais jouer, je sais pas, Pacha Pacha, Pachamama de Bolivie. Il va te regarder et faire. Ok, quel ton? Il connaît tout, il sait tout jouer, c'est monstrueux, salsa, enfin c'est une tuerie. Fin rythmicien, super monstrueux harmoniquement et super player. Vraiment, j'adore les bassistes comme ça. Fat, tu vois, time, tight et ouais, top first class pour moi. Donc voilà, j'espère que ça répond à tes questions. Autre question. Bonjour Chris, bonjour à toi Jean-Charles. Ça fait plaisir de toujours te voir dans les lives. Bonjour, bon travail. I like that. Cool. Thank you so much. Hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Lorsque tu dois groover en do majeur, par exemple, je vais mettre la question. Lorsque tu dois groover en do majeur, par exemple, est-ce que tu commences par choisir un doigté particulier? Si oui, lequel, sachant qu'il y a presque 3 par mode, 3 en do et 1. En fait, je pense pas en termes de doigté. Je m'en fiche des doigtés complètement, en fait. Tu vois, pour moi, l'ingrédient principal, c'est l'émotion. Je vais d'abord penser à qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer. Ensuite, je vais me poser la question de est-ce que j'entends une ligne de basse, tu vois, dans mon esprit. Parce que ça, c'est important, parce que tu as beau connaître tes positions, ça ne veut pas dire que tu vas trouver une ligne de basse qui va être belle, qui va être tight, qui va être groovy, qui va être punchy, qui va être catchy, tu vois. Ça ne veut rien dire. Par contre, si tu l'as là dans ton esprit, parce que tu es parti de tes émotions, boum, tu vois, jackpot. T'es sûr que, en fait, finalement, le doigté, on s'en fout. Parce que tu le fasses, voilà, c'est juste après une question d'articulation, tu vois. Mais ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment une question d'articulation. Donc, si par exemple, je sais pas,
On va prendre la ligne de basse que j'ai jouée tout à l'heure pour faire simple. Dom, boum, pam, pom. Boum, pam, ping, boum. Donc je pourrais faire. Tu vois, c'est les mêmes notes, mais d'un point de vue articulation, j'ai préféré. Parce que ça sonne pas du tout pareil en fait. Que si je fais. Tu vois, je peux lier les notes alors que si je fais. Là, déjà, ça casse la liaison. Alors que. Oh yeah, la note est liée, l'attaque aussi en fait. C'est juste ça. Ok. Boum, boum, boum. Boum, boum, T de boum, boum, indou. B du boum, boum, indou. Et là, quand je reviens, pour une question de doigté, justement, je fais tout sur la corde de là, tu vois. Pour ne pas avoir à effectuer un saut de corde. Voilà. Mais moi, je commence plutôt d'abord par la mélodie que je ressens. Pardon, par la mélodie que je ressens. Essayer d'avoir le plus de clarté possible d'un point de vue émotionnel. Toujours l'émotion. Ça doit toujours partir de l'émotion. En tout cas, ça, c'est moi. Ça n'engage que moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais toujours partir de l'émotion parce que tu es sûr et certain que tu vas exprimer quelque chose. Si tu parles d'une émotion triste, on va sentir ta tristesse. Si tu parles d'une émotion mélancolique, d'un sentiment, tu vois, genre, ah, ma mère est partie, elle me manque, boum, on va le ressentir, ça. T'as même pas besoin de dire que c'est une chanson que j'ai écrite pour ma mère qui est morte, tu vois. Tu vas juste jouer trois notes et on va ressentir, on va dire, what, c'est quoi ce truc de fou? Parce que ça part de l'émotion, ça part pas du doigté. Tu vois? Donc vraiment d'avoir conscience de ça. Émotion, ensuite, est-ce que j'arrive à entendre quelque chose? Et si j'arrive pas à entendre quelque chose, est-ce que je pourrais essayer de trouver, entendre quelque chose? Et comment je fais pour essayer d'entendre quelque chose? Bah, je vais commencer par une note. En plus, c'est dans la formation de là, donc c'est cool, tu vas avoir tous les ingrédients. Par exemple, cette ligne de basse, elle est construite sur le conocole, comme sur toutes mes lignes de basse d'ailleurs. C'est-à-dire que là, c'est takit, 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 dimi. Donc, on va décortiquer ça. Takit, takit, takit. Donc, il y a 4 fois takit. Takit, 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 dimi. Donc, si je simplifie, ça fait tang, 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 takadim, tang. Attends, j'ai pas du son. Tang, 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 takadim, takit, 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 takit. Tu vois? Et j'essaie vraiment de tout décortiquer, que tout soit clair. Est-ce que c'est vraiment l'émotion que je ressens? Oui, parce que c'est parti aussi du conocole. J'étais là, je faisais les parties de piano, puis j'entendais dans ma tête. Takit, 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 takadimi, takit, 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 takadimi. Takit, 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 etc., etc., tu vois. Mais vraiment, émotion et... Ouais, l'émotion, toujours, en fait. J'espère que ça répond à ta question, si c'est pas le cas. Bah, n'hésite pas, Jean-Charles, à reposer une question. Alors, j'ai des questions. Oh, on a un gourmand, génial. J'ai deux questions. Qu'est-ce que tu penses du free jazz et est-ce que tu préfères jouer sur un ampli ou directement en DI? Alors, qu'est-ce que je pense du free jazz? Bah, j'en sais rien, en fait. Une question pas étrange, mais c'est une question à laquelle, surtout, je ne sais pas quoi te répondre en toute transparence. C'est pas forcément une musique qui me fait vibrer, tu vois. Mais par contre, c'est comme toutes les musiques, une musique dans laquelle tu vas pouvoir apprendre plein de choses en fonction de là où tu en es dans ta journée musicale et de ce que tu as envie d'apprendre, surtout si tu écoutes du free jazz, c'est par rapport à l'improvisation. Donc, qu'est-ce que tu as envie de développer dans ton jeu? Qu'est-ce que tu as envie de développer dans ta perception de la musique, tu vois? Et plutôt de te poser des questions comme ça, en fait, tu vois, beaucoup plus spécifiques. Et je pense qu'après. Ouais, ça va le faire. Donc après, ce que j'en pense, moi, bah, je pense que c'est une bonne musique à écouter. Après, c'est pas une musique que j'écouterai en cuisinant ou en faisant l'amour avec ma chérie, clairement. Tu vois? Mais je pense que c'est une musique qui vaut le coup et la peine, comme toutes les musiques, de s'asseoir, tu vois, 5, 10, 15 minutes, d'étudier les personnes qui ont fait cette musique, tu vois, qui ont fait que cette musique est là. Et voilà, et dès que tu trouves une phrase, une idée, pareil, un sentiment, une émotion qui te plaît, de te focaliser là-dessus et de te l'approprier pour en faire quelque chose de personnel, en fait. Tu vois? Donc, c'est ce que je ferai. Ensuite, est-ce que tu préfères jouer sur un ampli ou directement en DI? Alors, je suis pas un fan des DI, j'expliquerai après pourquoi, enfin, même tout de suite, en fait.
Alors, ça dépend après aussi si c'est live et studio, mais par exemple, quand je fais du live, j'ai pas de retour, j'aime pas les retours. Je me sens pas à l'aise avec ça, tu vois. Je veux juste avoir le l'ampli et je calcule toujours en fonction de la place qu'on a sur la stage, sur la scène, d'être à 3 mètres de l'ampli quand c'est possible. Et je me colle le plus près possible du percussionniste ou du batteur, tu vois. Et pourquoi j'aime pas en fait les retours? Parce que je trouve que ça rajoute plein de noise, tu vois, plein de bruit sur la scène et ça pousse tout le monde à jouer plus fort. Moi, j'ai un jeu qui est très nuancé, tu vois. J'utilise énormément les nuances dans mes doigts. Donc, quand j'entends le batteur qui commence à faire des ghost notes sur certaines phrases, direct, je suis là avant. Tu vois, c'est sûr, boum, je réplique. Tu vois, je vais pas laisser passer ça. Donc, j'ai besoin d'entendre ça de manière acoustique. Après, donc voilà, j'aime pas, je suis pas un fan des retours. J'aime utiliser les amplis. Après, je suis pas un fan des DI non plus. Par exemple, quand je fais des séances de studio et que je tombe sur des ingénieurs du son. Pacotille sur le son clair, donc faire non, tu branches ta basse en DI, j'ai envie de meurtre. Clairement, j'ai envie de dire, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'une basse, quoi? La basse, tu as besoin d'avoir le son du bas, tu as besoin d'avoir le son crade, tu as besoin d'avoir le souffle de l'ampli. Donc, je reste ouvert à avoir un signal direct, tu vois, par exemple, de la tête d'ampli, ça peut passer par une DI, etc. Moi, j'ai un line out, donc j'aime que la basse passe par la tête d'ampli et ensuite. J'envoie le poste, donc toute l'équalisation que je fais, c'est-à-dire que si là je vais changer quelque chose, ça va passer dans la DI, tu vois. Et donc je suis ouvert à ça, je dis bien ouvert, mais il faut surtout deux ou trois, voire plus, des fois ça dépend de ton setup, si tu as plusieurs baffes, mais au moins deux micros différents, tu vois, avec des angles différents en fonction du son que tu veux. Il faut qu'on ait un son crados, de la distorsion, des choses comme ça, parce que c'est ça le son de la basse, tu vois. Et là, on est parti dans un délire où il faut que tout soit clean, bien léché, mielleux. Et en tout cas, c'est pas mon délire, c'est pas mon approche. Si tu écoutes les grands bassistes qui ont fait l'histoire de la basse, avant les bassistes virtuoses et les bassistes héros, les mecs, ils arrivent, tu vois, c'est. Entends le son crados de la tête d'ampli qui sature, tu vois. Moi, j'aime bien ce côté-là, en tout cas. J'essaie de pouvoir développer ça au maximum quand c'est possible. Après, il y a des artistes qui sont pas ouverts à ça. Bon, quand tu es en studio pour un artiste, tu fais ce que l'artiste veut, c'est l'artiste qui a le dernier mot. Mais si tu peux lui apporter ce côté chaleureux dans ton son, pour que ça apporte de la chaleur dans le mix pour tout le monde, fais-le. Voilà. Je sais pas si ça répond aussi clairement à ta question, j'espère que oui, normalement. Salut Jimmy! Yeah! Salut Romu! Ça fait trop plaisir! Hop là! Ça ne m'étonne pas que ce soit un pote à toi. Alors, je ne sais pas de qui tu parles, j'ai perdu le fil en répondant aux questions, mais pas de soucis. Hello Johan, un petit coucou de Marseille. Oh yeah! Salut! Alors, autre question. Je suis également. Ah non, j'ai également un doigt non fonctionnel, main gauche. J'ai un annulaire quasi insensible. Ok. Alors, ce que je t'invite à faire, tu vois, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une petite session ensemble. Tu m'envoies un email si ça t'intéresse. Et je vois ce que je pourrais t'apporter comme solution concrète ou pas. Je te garantis rien, encore une fois. Je ne suis pas marabout, ni devin, mais je ferai en sorte que mes compétences et mes connaissances puissent t'aider à un maximum, et quitte à t'orienter vers un ami, un collègue, tu vois, qui a de meilleures connaissances que moi par rapport à ta situation. Et voilà, et si ça peut t'aider à avoir plus de plaisir, de plaisir, je me suis trompé, si ça peut t'aider à avoir plus de plaisir et à la like a pig, je serai content. Voilà. Pour toi. Alors, quelle est la suite que tu conseillerais une fois le kit de démarrage terminé? Alors, après le kit de démarrage terminé, ce que je te recommande, c'est de t'inscrire à l'université. Donc, c'est vrai que j'en parle beaucoup et j'ai toujours pas ouvert les portes, mais c'est parce qu'on fait des tests. Je veux vraiment que d'un point de vue éducation en ligne, ce soit top pour les bassistes. J'ai commencé mon activité en ligne en 2015. Ça va faire 5 ans le 5 juillet. Ah! Va falloir arroser ça. Et
au jus de carotte. et du coup, quand j'ai lancé ça, quand j'avais lancé mon activité, pardon, j'avais créé une plateforme qui existe toujours, qui s'appelle coursdebasedebutant.com. C'est là donc que je faisais mes premières formations. Et je ne savais pas comment on faisait ça. J'ai fait des fois des trucs un peu n'importe comment, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, je vais supprimer cette plateforme, parce que ça va arriver. Et j'ai tout refait, mais vraiment tout, c'est-à-dire la pédagogie, j'ai refait des vidéos, j'ai fait en sorte que ce soit interactif, que les élèves puissent avoir des diplômes, des certificats, des badges, etc. La suite logique, franchement, au kit de démarrage, c'est que tu rejoignes l'université Groupe Lacupig. Je communiquerai là-dessus de toute façon, une fois que les portes seront ouvertes. Là, on est toujours dans la phase de test. Il y avait trois phases de test super importantes à faire. C'est un peu chiant, je suis désolé pour la patience. Mais c'est nécessaire pour votre confort, c'est nécessaire pour votre sécurité, pour vos informations, et que ce soit GDPR compliante, etc. Et faire les choses intelligemment et bien comme toujours. Voilà. Et du coup, pourquoi c'est la suite logique? Pour répondre encore plus clairement à ta question et pour aller plus loin. Parce qu'en fait, tu vas voir à chaque fois des formations qui vont sortir sur toutes les thématiques. Ça peut être les modes, ça peut être le mode mineur harmonique, ça peut être XYZ, le blues, le jazz, etc. Mais surtout, je compte inviter des super pédagogues, voilà, pour venir faire des masterclass, pour venir échanger leur parcours. Pour moi, c'est vraiment la suite logique. Voilà. Sauf si après, tu veux, par exemple, apprendre à créer des lignes de basse et improviser, etc. Dans ce cas-là, quand j'ouvrirai à nouveau les portes de la formation GLAP, bah, pareil, j'en parlerai, je ferai une communiqué, une promo là-dessus, etc. Mais pour moi, la suite la plus logique, c'est vraiment c'est de rejoindre l'université, parce que tu vas voir, ça va être la folie. Voilà. Vraiment. Je travaille tous les jours dessus comme un fou. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter de faire du coaching depuis cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais même plus. Cette semaine, c'est ça. C'était lundi 23h, c'est ça, de cette semaine. Parce que je veux vraiment me dédier à 4000% sur mon université. Parce que j'ai tellement de choses en fait à partager. Et puis voilà, je trouve ça cool en fait. Tu vois, d'être dans un environnement où tu es avec une communauté de personnes bienveillantes, etc. De pouvoir faire des lives comme ça, en petit comité quand on en a besoin sur certaines thématiques, c'est juste magnifique. Voilà, enfin, moi en tout cas, j'adore, je suis fan de ça. Donc ça, c'était ta question, que j'affiche tardivement, pardon. Alex qui dit, j'ai 16 ans et demi. Non, j'ai 16 ans et depuis un mois, pardon. Quand je jouais, j'ai des problèmes de poignet à force de jouer. Mais pourtant, mon prof m'a dit que ma position était bonne. Alors, ce que je t'invite à faire, dans un premier temps, Alex, j'ai écrit un article sur la posture, sur le blog bassistpro.com. Je pense que je parle des poignets, de la posture instrumentale, de la manière dont on respire, tout ça. Et à force, si t'as mal au poignet, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que tu crées une tension. Tu vois, et c'est pour ça que tu as des douleurs musculo-squelettiques, pardon. C'est que y a un mouvement de posture qui est pas bon. Alors, je ne sais pas comment tu le fais, mais ce qu'il faut t'amuser à faire, c'est analyser comment tu poses tes doigts, comment est calé ton pouce derrière ton manche. Est-ce que tu tiens ta basse comme ça? Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu as les épaules crispées? Ça a l'air bête, mais en fait, ça ne l'est pas. Chaque petit détail a son importance. Donc, dans un premier temps, je t'invite vraiment à faire ça, à aller lire l'article. Si ça n'a pas répondu à tes questions, bah, tu reviens vers moi, tu m'envoies un email et au pire, on fera un bilan de compétences et je te dirai ce qui ne va pas. Parce que moi, j'ai vraiment l'habitude de ça. Et puis voilà, tout simplement. Alors, autre question. C'est Jean-Marc Coulon qui dit merci beaucoup. De rien. Christian Covin. Salut à tous, salut à toi. Hop, alors, il y a un peu de reverb sur ta basse? Absolument pas. Non, il n'y a pas de reverb sur la basse. Par contre, tu dois entendre le son qui tourne de la pièce, parce qu'en fait, j'ai le micro qui est posé sur la caméra, et quand je joue de la basse, tu as le son qui passe dans la carte son, plus qui repasse dans le micro. Alors, on va faire un petit test comme tu poses la question. Tu vas plus m'entendre, parce que je vais muter mon son et tu reviendras reposer une question pour me dire s'il y avait de la réverb ou pas dessus. C'est parti. Normalement, tu devrais pas entendre de t'aurais pas dû entendre de l'écho, mais c'est dû au micro qui est ouvert.
Voilà, je peux contrôler tout ça comme ça à distance, c'est super méga cool. Je kiffe. Alors, très clair, thanks. Cool, bah super, Jean-Charles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je parlais de Romuald Carvardos pour le commentaire. Ça ne m'étonne pas que ce soit un pote à toi. Ah! Bah oui, le monde de la musique est petit, hein, tout le monde se connaît. Tu vois, même si on ne se connaît pas des fois personnellement, on sait qui, on sait situer qui est qui, en fait. Tu vois, c'est ça qui est cool. Commentaire de Romus. Si tu donnes des cours à côté de Valenciennes, ça m'intéresse pour développer mon jeu de basse. Non, alors malheureusement, je ne prévois pas, sauf s'il y a une masterclass de prévu, tu vois, avec grand plaisir, mais non, parce que déjà j'habite en Estonie, j'ai quitté la France, et oui, je suis en Estonie, et pour le moment, je n'ai pas prévu de faire des masterclass, sauf si on me le demande, mais j'ai pas demandé à mon attaché presse ou un de mes assistants d'aller chercher des masterclass pour moi. Je me focalise sur mes projets actuels et je suis quelqu'un de focus. Voilà. Mais en tout cas, avec grand plaisir pour pouvoir te rencontrer et échanger un jus de carotte ou un jus d'ananas. Fais maison. Yeah, salut à toi, Romu. T'es certainement parti depuis un petit moment. Alors, autre question sur YouTube. Salut, j'ai commencé la basse fin avril et je voudrais savoir un truc. Tu aurais un conseil pour éviter tous les bruits qui continuent quand tu joues? C'est une histoire de placement de main. Absolument, c'est la main droite. Alors en fait, comment tu fais ça? L'idée, c'est de pouvoir bloquer les cordes soit uniquement avec ta main droite, tu vois, et en même temps, donc soit uniquement avec ta main droite, par exemple là, je bloque la corde de mi, la corde de la et la corde de ré avec le pouce. Donc du coup, je peux jouer la corde de sol sans que la corde de mi, la corde de la et la corde de ré ne résonnent. Et en complétant avec la main gauche. C'est-à-dire que quand je vais jouer par exemple sur la corde de ré, je vais monter mon pouce, je vais le caler en butée entre la corde de mi et la corde de la. Ma main gauche va se poser sur la corde de sol. Du coup, je peux jouer la corde de ré de manière propre, etc. etc. Et du coup, bah, il y a zéro résonance. Bon, j'espère que ça va t'aider. C'est un truc qu'il faut pratiquer lentement et trouver ton habitude. Il y a des bassistes qui adorent jouer sur leur micro. En fait, il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est que tu adaptes toujours ton instrument à ta posture. C'est pas toi de t'adapter à ton instrument. Jamais. Fais jamais ça. Ton instrument s'adapte à ta posture. Okay? Donc, est-ce que tu es confortable là? Est-ce que tu es confortable comme ça sur le micro? Est-ce que tu es plus confortable sur la corde de mi? Et c'est ça qui va faire la différence. Voilà. Tu as gagné beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ça vient de la pièce. Tu vois? Ta-ta-da! Là, c'est nettement mieux. Bah, c'est cool. Oui, c'est pour ça que même tout à l'heure, quand je jouais, je coupais le micro, en fait. Ce qui permet d'avoir un signal beaucoup plus propre. Alors, pourrais-tu me dire comment tu abordes une partie de reprise assez longue? Partager ta réponse. Une partie d'une reprise assez longue. Je pense personnellement, par exemple, au solo basse de Smoke in the Water qui est difficilement mémorisable. En fait, ce qu'il faut faire quand tu as des problèmes de mémorisation, premièrement, zéro pression, puisque c'est un truc naturel qu'on fait tous, on est des êtres émotionnels, donc on va se mettre la pression, je dois y arriver, et on pense que c'est le bon chemin, alors qu'en fait, c'est le chemin de l'échec assuré absolu. Ce que tu devrais faire, en tout cas ce que je te recommande de faire, parce que j'ai pas la science infuse, mais je te partage mon expérience, c'est d'y aller. Mesure par mesure, voire note par note dans chaque mesure. Tu vois, tu prends la ligne de basse et tu dis maintenant je mémorise les trois premiers temps. Et tu le fais en boucle. Et tu peux te donner comme idée pour que tu n'aies pas de pression. Bah tiens, tous les jours, je fais quatre pulsations. Tu vois, et comme ça, tu es tranquille. Et tu vois que si tu es régulier, parce que c'est le secret, c'est la régularité, d'accord? D'être persistant et consistant dans ce que tu fais. Et du coup, si tous les jours, tu vois, tu fais une mesure de 4 pulsations, ben, en une semaine, tu as fait 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, tu vois, tranquille. Tu as fait 28 pulsations, génial, hop, et tu vas pouvoir avancer. Et après, l'idée, c'est d'utiliser des points de repère. Si tu n'as jamais développé ta mémoire auditive, tu vois, ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est de chanter, chanter, chanter ce que tu joues avant même de le jouer. C'est-à-dire que tu apprends une ligne de basse juste en chantant la ligne de basse et en tapant dans les mains.
parce que ça va te permettre de ressentir la musique. C'est tout de suite, c'est maintenant. Tu vois, c'est pas dans 10 ans, c'est pas, t'as pas besoin de faire le conservatoire pour ça, t'as pas besoin d'une méthode d'autodidacte ou de je sais pas quoi. C'est juste, tu chantes la ligne de base que tu es en train d'écouter et tu dis, je me focalise, je fais ça en boucle. Parce qu'avant, la manière dont on apprenait la musique, il y avait pas tous ces outils pour ralentir la musique, il y avait pas YouTube, il y avait pas tout ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Tu vois, c'est en écoutant des disques 1 milliard de fois, je me rappelle, des fois, je passais 1 mois pour apprendre une phrase de John Coltrane. Je me rappelle même plus du coup. Enfin bref, de James. Bon, je me rappelle plus, tu vois, mais parce que ça fait longtemps que je n'ai pas bossé, mais je passais, tu vois, des fois juste 1 mois sur une ou deux mesures, un truc comme ça, mais c'est pas grave. Parce que des fois, y a des trucs, ça va tellement vite pour notre perception, tu vois. L'idéal, c'est pas de se mettre la pression, de se dire, ah, je dois y arriver là maintenant tout de suite. Non, c'est je dois y arriver quand je serai prêt. Et tu y arriveras. Et je me rappelle, il y avait un solo de Jaco, pareil, il m'a fallu 1 mois. Je sais plus si c'était le solo d'Avona ou de Donali, mais il m'a fallu genre 1 mois pour réussir à tout prendre note pour note, quoi. Je crois que c'était peut-être Avona, parce qu'à la fin, il y avait un truc genre qui faisait. Je coupais le son comme ça, vous n'avez pas de reverb. Il y a un truc qui faisait comme ça. Il m'avait fallu 1 mois pour trouver toutes les phrases avec le bon doigté, les trucs. Mais c'est pas grave. S'il m'avait fallu 1 an, c'est pas grave. Tant que tu y arrives, en fait. Tu vois? L'idée, c'est pas de se mettre, encore une fois, la pression, parce que c'est vraiment le mécanisme mental que je vois souvent, et je suis passé par là aussi. Hein. Je me mettais la pression, genre, oh, il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive à faire ce solo de piano sur ma basse, il faut que j'arrive à faire ce truc-là, etc. Mais non, l'idée, c'est d'avoir du plaisir. C'est pas de passer par des émotions de torture. T'es pas là pour te torturer, pour te faire du mal, tu vois? T'es là pour te faire du bien, t'es là pour t'amuser, t'es là pour rigoler, t'es là pour passer. Du bon temps, tu vois, avec les musiciens avec lesquels tu vas jouer. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aborderai, tu vois. Tu te fixes juste, tu te focalises juste sur 4 pulsations sur une semaine, si c'est ta vitesse d'apprentissage, et il n'y a rien de mal à ça. Moi, je suis une personnalité lente, je suis très lent à apprendre, tu vois, et je le sais, et j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, c'est cool, tu vois, on ne fait pas de compétition. Le but, c'est vraiment d'arriver à atteindre ton objectif. Si tu arrives à atteindre ton objectif, peu importe le temps que ça t'a pris, tu as réussi. That's it. Tu vois? Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben voilà, mon cher Eric. Des gros bisous. Oui, l'Estonie, c'est pas la porte à côté, mais ça va, c'est à 3 heures de Paris. Et je reviens. Bon là, il y a le Covid, tout ça, mais je reviens régulièrement, en général. Soit une fois par mois, soit une fois par trimestre, enfin, avant qu'il y ait le Covid, tu vois. Alors, en début de concert ou de répète, il m'arrive de subir une tension au pouce de la main gauche, suivant le morceau. Nous avons des morceaux plus ou moins tenseurs, ok. Faudrait-il que je m'échauffe comme un sportif? Que conseilles-tu? Alors, j'ai une période où je m'échauffais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, je m'échauffe quasi pas, c'est rare. Ça peut m'arriver, mais oui, tu peux, en tout cas. Ce qui est important, surtout, c'est de faire des étirements, de respirer quand tu fais ça. C'est pas un truc ésotérique ou de bobo parisien, c'est vraiment bah, parce qu'un sportif apprend à respirer, il apprend à envoyer de l'oxygène dans son flux sanguin pour être performant mécaniquement. Voilà, donc les musiciens, c'est exactement pareil, c'est la même mentalité, tu vois, qu'il faut développer. Donc, t'étirer les muscles, bien respirer. Il y a l'alimentation qui joue aussi, parce qu'en fonction de ce que tu vas manger, donc je ne suis pas nutricien, d'accord? Nutritionniste, pardon. Ça va forcément avoir un impact sur ta condition physique. Tu vois, est-ce que tu manges beaucoup de viande? Si oui, est-ce que tu digères facilement quand tu manges de la viande rouge? Des choses comme ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser, tu vois? Moi, je sais que j'adore manger, bon, ça se voit physiquement. J'adore manger. Je sais que quand je mange de la viande rouge, je suis obligé d'aller faire une sieste après. C'est horrible, mais je suis du groupe sanguin A. Le groupe sanguin A, d'après un livre que j'ai lu qui est très intéressant, comment s'appelle d'ailleurs ce livre?
C'était la santé par le groupe sanguin, je crois, si je dis pas une bêtise. Un vieux livre qui date de je sais pas quand. J'ai lu ça il y a quelques années en tout cas. Et c'était vachement pertinent parce que je me suis vraiment retrouvé à l'intérieur de ce livre. Par exemple, tu vois, quand je mange certains aliments, comme certaines personnes, il y a des compatibilités et des incompatibilités. Donc tu vas avoir des gaz, des choses comme ça, des choses assez désagréables et tout. Et du coup, je me dis, ce serait intéressant, tu vois, de faire l'expérience de manière intelligente et de tester ça. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Et finalement, j'ai vraiment appris à connaître mon corps davantage, tu vois, en suivant ça, parce que j'avais déjà remarqué, par exemple, tu vois, genre tout ce qui est oignons et machin comme ça, c'est pas mon délire. J'en mange pas, tu vois, ou très peu, enfin, tu vois, de loin, etc. Et du coup, bah, je me sens vachement détendu, tu vois, j'ai pas accumulé de la tension parce que bah, mon corps est en train de chercher de l'énergie pour digérer ce que je consomme, tu vois, alcool, cigarettes, viande rouge, tout ça, tu vois, ça. Donc, ça joue, hein, tu vois. Et puis après, bah, faire du sport, avoir une activité physique. Tu vois, moi, ça fait depuis plus de 6 mois maintenant que j'ai une coach sportive ici en Estonie. Et tous les mois, voilà, je dois faire le point. Je vais à la salle de sport. Donc là, en plus, ça vient de réouvrir. Donc, c'est génial. Tu vois, c'est juste la classe. Et je faisais comme le sport à la maison, tu vois. Et t'as pas forcément besoin de machine. Moi, j'aime bien être dans la salle parce que c'est l'énergie des gens. Ouais. Je suis un animal social, donc j'aime bien le contact humain, pouvoir échanger, parler, tout ça. Mais tu peux faire ouais, des petits exercices. Il y a des applications en plus sur le téléphone aujourd'hui, tu vois. Tu peux télécharger ça. Donc, moi, oui, je t'invite vraiment. Tu fais du stretch, tu apprends à respirer, tu apprends à calmer tes pensées. Parce que souvent aussi, les tensions qu'on se crée de manière musculo-squelettique, c'est dû au monologue interne qu'on a, genre je suis une merde, j'y arriverai pas, ah ça va être dur, bah si tu dis que ça va être dur, tu programmes le fait que ça va être dur. Et forcément quand tu vas arriver sur ce passage-là, ça va être dur. Tu vois c'est con, hein, mais je dis pas ça pour me moquer, mais parce que je suis passé par là aussi, et j'y passe encore des fois, tu vois. Je bossais un morceau récemment de John McLaughlin et Zakir Hussain Shakti, et ça trace super vite. Tu vois, et y a des passages, il y a des trucs impossibles à jouer, je fais, ah, c'est trop chaud. Et après, je me suis entendu, j'ai entendu mon monologue, je me suis dit, ben non, vois, si tu te dis que c'est trop chaud, ce sera trop chaud, donc tu n'y arriveras pas. Tu vois, il faut toujours faire ce travail-là aussi, mental, parce que, encore une fois, tes pensées créent ta réalité aussi. Donc voilà, super important. On n'apprend pas ça à l'école, mais ça existe pour de vrai. Voilà, c'est là. J'espère que ça t'aide. Oh, merci beaucoup pour ta réponse. Je m'entraînerai à mettre ça en pratique. Avec grand plaisir, ma foi. Alors, j'ai l'impression que ma question a été zappée, mais je voulais savoir que faire une fois le kit de démarrage terminé. Ah, dans le sens. Bah non, j'ai déjà répondu en fait à ta question. Ce que tu peux faire, dans un premier temps, si tu as envie de jouer en groupe, de jouer avec des musiciens, tu mets une annonce. Sur internet, sur le bon coin, sur ce que tu veux en fait, tu vois, dans ta région, tu dis voilà, je suis un musicien amateur, j'ai ça comme basse, j'ai ça d'expérience, je sais jouer ma première gamme majeure par exemple, je sais jouer des noirs, des ronds, des blancs, des croches, et je voudrais rejoindre un groupe qui joue du répertoire, je sais pas, X, Y, Z, rock, funk, ou ce que tu veux, et ça, c'est un super challenge, fais-le. Tu vois, il y a Jackie Lou. Dans le club privé sur Facebook, à qui j'avais donné cette mission-là. Et il l'a fait, il est super content, et il avance, il a un groupe aujourd'hui, il s'éclate, tu vois. Et moi, je pars toujours du principe que peut-être que demain, c'est ton dernier jour sur Terre, tu vois. Donc, cherche à toujours à développer ton plaisir de la manière la plus intelligente. Voilà. Et après, j'avais dit tout à l'heure, en réponse à ta question, la suite logique après le kit de démarrage, ben c'est de rejoindre l'université quand les portes vont ouvrir bientôt. Voilà. Ensuite, Smoke on the Water a été écrit à quelques kilomètres de chez moi à Montreux. Oh yeah! Merci pour tes explications. Ma foi, avec grand plaisir toujours. Hop, est-ce que vous avez d'autres questions? Tu as raison, la tension vient souvent d'un manque de confiance. Bah oui, c'est le monologue. Mais tu vois, on devrait. Ça, c'est le problème de l'école. Moi, j'ai une dent contre le système d'éducation nationale, tout ça. Il y a trop de bullshit, en fait.
dans la manière dont on nous éduque depuis qu'on est petit, on est programmé à l'échec. C'est soit tu es programmé, je vais expliquer mes concepts, soit tu es programmé à l'échec par rapport à qui tu es en fait en tant que personne, parce que quand tu viens sur Terre, tu as forcément une mission, qu'elle soit spirituelle ou personnelle, ce que tu veux, tu appelles ça comme tu veux, tu as toujours une mission que tu t'es donnée quand tu es petit. Il y avait toujours des trucs que tu aimais faire ou qui étaient beaucoup plus faciles à faire pour toi que d'autres. Tu vois, moi, c'était la danse, tout ce qui était artistique. Alors, je ne vais pas dire que c'est parce que je suis noir et que j'ai ça dans le sang, c'est un peu cliché, mais en tout cas, j'ai toujours été intéressé par l'art de manière générale. J'adore la photo, j'adore la vidéo, enfin, j'adore toutes les formes artistiques, la cuisine, la danse, la littérature, tu vois, le cinéma, tu vois. J'ai fait du cinéma audiovisuel à Maubeuge, tu vois, etc. C'est rigolo. Donc oui, on a tous quelque chose comme ça. Donc soit tu es programmé à l'échec par rapport à tes prédispositions naturelles, soit tu es programmé à être un fucking mouton. C'est-à-dire que tu vas servir les intérêts de la République, peu importe de ton pays, et les intérêts des industries. Tu vois? L'idée, c'est vraiment d'avoir conscience de ça. Ok, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire? Qu'est-ce qui me touche? Tu vois, qu'est-ce que je sais faire facilement? Ou quand les autres me regardent, ils me disent, hey, mais toi, pour toi, c'est toujours facile quand tu fais ça. Tu vois? Et d'aller creuser là-dedans et de développer ta mentalité de, ouais, j'ai un don, je suis capable de, j'ai du talent, parce que tout le monde a du talent, et c'est pas être un fucking égocentrique de dire j'ai du talent. J'ai du talent. Tout le monde, là, vous regardez la vidéo, vous avez tous du talent, vous faites de la musique, vous avez une basse, de la guitare, vous avez tous un fucking talent. Ce qu'il faut, c'est aller à l'intérieur de ça, aller chercher sa petite voix et la nourrir, tu vois, la petite graine est déjà là. Sinon, vous seriez pas en train de regarder un mec qui tient une basse, qui parle de basse, et vous serez pas en train de jouer de la basse. Donc, vous avez ce fucking talent qui est déjà en vous, en fait. L'idée, c'est comment je développe ce fucking talent de manière positive et constructive, vision long terme, ok? Comment je peux faire en sorte que je fais développer ma sensibilité artistique, ma sensibilité humaine, le fait que j'aime me connecter aux autres, etc. Tu vois, et l'école t'apprend pas, ça les prend. L'école t'apprend, genre, ah, si tu sais pas faire le calcul, t'es un bonnet d'âne, t'es nul. Bah, sur quels critères tu te bases pour dire que je suis nul? J'ai des émotions, il y a d'autres choses que je sais faire, enfin, je sais pas, mesure-moi là-dessus, ce sont mes vraies compétences. Tu vois? Donc voilà, t'inquiète pas, ça pour dire que c'est pas de ta faute. Ce qu'il faut, c'est réussir à identifier ça, et après, je conclurai. De chercher à te mettre à chaque fois du possible au mieux quand tu peux, à te mettre dans un état d'énergie élevé. Alors ça veut dire quoi, charabia encore, Joanne, t'as fumé? Un état d'énergie élevé, c'est quand tu te sens bien. Tu vois, par exemple, si t'as un coup de mou, t'es là, justement, tu sens que ça va bloquer, pose ta basse, mets-toi dans une pièce, tu commences à crier, tu jump, parce que quand tu mets ton corps, quand tu commences à bouger ton corps comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu crées de l'énergie. Tu mets ton état dans un état émotionnel, énergétique, genre. Tu vas reprendre ta vache, genre, allez, ça va aller, hop, et tu vois que ça va passer beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que tu as conditionné ton cerveau à ce que tu défonces et à ce que ça aille. Donc fais-le, je te jure, teste-le, et je t'invite à me spammer par email quand tu l'auras fait. Je serai vraiment curieux de voir tes résultats, et je suis persuadé d'avance, parce que tu ne seras pas le premier, t'es pas le premier, voilà, à le faire, mais je serai vraiment content de pouvoir lire ton message, voilà, tout simplement. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu vois, je suis un incorrigible bavard. Hop. Merci pour la réponse. Vivement que l'université ouvre ses portes. Oh oui, et ça va être badass. Crois-moi. Je ne fais jamais les choses à moitié. Ça prend du temps quand je fais toujours des choses, parce que j'aime bien faire les choses bien. Je suis un perfectionniste, ça c'est vrai. J'ai un petit côté comme ça, mais une fois que les choses après sont lancées, ça part. Donc c'est ça qui est cool. Yeah! Bonjour! Bisous casse-casse, ça fait trop longtemps! Ça fait plaisir! Alors, c'est quoi les casse-casse pour ceux qui se posent des questions? Est-ce que je les ai là dans ma pièce ou c'est dans mon deuxième bureau? J'aurais bien fait une petite démonstration. Je pense que c'est dans mon deuxième bureau. J'espère que tu vas bien, en tout cas, Valérie. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Alors, sans vouloir te passer une pommade, tu as une sacrée bonne transmission de foncer et d'encourager. Oh, c'est très gentil. En fait, je vais être transparent aussi là-dessus, comme toujours.
C'est que comme quand on est musicien, tu vois, on en chie, tu vois, et encore plus quand tu es musicien professionnel, j'ai envie de dire, parce que bah, c'est jamais pris au sérieux, bon, la musique, ouais, tu fais ça pour déconner, tu vois, et t'as plusieurs phases, t'as des phases où t'es pas dans le bon milieu, t'es obligé de manger, t'es obligé de faire des choses qui te plaisent pas forcément, des choses comme ça, etc. Mais surtout, il y a un truc, tu vois, qui m'a marqué, et qui me marque toujours, c'est que, enfin, notamment en France, après, je peux pas parler pour les autres pays, parce que j'y ai pas vécu assez longtemps pour pouvoir être définitif sur ce que je veux dire, mais en tout cas, en France, on valorise pas les artistes, on valorise pas les musiciens, on n'encourage pas, y a pas ce mindset, cet état d'esprit positif de hey, j'adore ce que tu fais, c'est génial, tu vois, même les musiciens entre eux, ils se créent des compétitions, des petites quéquettes qui servent à rien, en fait, tu vois. Et moi, je sais que dès que je vois des trucs comme ça, je pars loin. J'ai besoin d'être dans un environnement positif, tu vois. Parce que c'est vrai, on a tous après des goals qui sont différents, des buts, des objectifs qui sont différents. Il y en a qui veulent devenir les meilleurs bassistes du monde ou le meilleur de je sais pas quoi, l'ego, tu vois. Et il y en a, j'ai de l'ego aussi, hein, attention. Mais moi, je n'ai rien à foutre d'être le meilleur bassiste du monde, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est juste voyager, bien manger. Ça se passe bien avec ma famille, tu vois. Et je suis le mec le plus heureux du monde, tu vois, bien gagner ma vie, tu vois, par rapport à mes compétences. Et that's it, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Je veux dire, comme dirait mon papy, mon cabot sera pas plus grand, donc ça veut dire que mon zizi sera pas plus gros, tu vois. Et j'aime bien cette expression d'ailleurs, c'est une belle image. Et du coup, tu vois, de pouvoir te créer un environnement, c'est ça qui est important, de pouvoir te créer un environnement positif, tu vois. Quand tu es musicien, quand tu es artiste, etc., c'est aussi important, c'est une espèce de devoir. Parce que c'est une manière aussi de te protéger de cette négativité-là. Enfin, là, je parle vraiment d'un point de vue professionnel. Mais d'avoir un environnement dans lequel tu sais que tu es bien, parce que tu es avec des personnes qui sont bienveillantes, tu es avec un entourage qui t'encourage. Si tu as un coup de mou, quelque chose qui va pas, y a des gens bienveillants qui sont là pour t'aider, pour te donner de l'amour, pour t'encourager, pour te soutenir. Tu vois, c'est important en fait. Ça peut paraître con, mais c'est vraiment important parce que s'il n'y a que comme ça que tu peux durer dans le temps, tu vois, sinon tu vas tomber dans la facilité, les filles, la drogue, l'alcool, l'ego, tu vois, et faire des trucs un peu bizarroïdes parce que tu as besoin de combler un besoin d'importance. Tu as besoin du moi, j'ai fait, regarde, je suis, moi. Tu vois, et bullshit, quoi. Tu vois. Donc voilà, tout ça pour expliquer, oui, j'aime bien ce côté-là parce que puis ça fait du bien, simplement, tu vois, d'être. Juste d'être positif, quoi, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Donc voilà. Je vais essayer cette technique. Oh yeah, et spam moi, n'oublie pas. Un exercice comme ça de développement personnel pour rebondir sur ce que tu dis, Christian, que je donne de temps en temps en coaching aux élèves qui ont vraiment un monologue négatif, c'est de faire l'exercice suivant, tiens. Ça peut tous vous aider. Tu fais le gorille, tu te mets debout dans une pièce. Si tu as besoin d'être tout seul parce que tu as peur du regard des autres et du jugement des autres, il n'y a pas de souci, tu t'enfermes dans une pièce et tu vas noter tous tes monologues négatifs. Genre, je suis une merde, j'y arriverai pas, je suis trop nul, je suis ceci, X, Y, Z, gna, 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 tu vois, etc. Et ensuite, tu vas le lire à voix haute, tu vois, plusieurs fois en boucle, et tu vas faire le gorille avec. Tu vois, donc c'est-à-dire que tu fais le gorille ou le kangourou, tu vois, tu fais un petit, tu imites un animal, tu fais ouh, je suis nul, tu le fais, et tu vois que tu vas te rendre compte qu'en fait tes monologues ils sont tellement ridicules par rapport à la réalité, en fait. Tu vois, t'as une espèce de l'élastique qui revient de la réalité, genre waouh, mais non, en fait, regarde, je sais faire ça, ok, je suis pas le meilleur, mais je sais quand même déjà faire ça, c'est cool, tu vois, et d'un point de vue émotionnel, tu vas te sentir déjà beaucoup mieux. Donc s'il te plaît, fais cet exercice, et c'est pas moi, je serais vraiment content de pouvoir lire ton message. Quand tu le feras. Amir qui dit salut Johan, salut Amir. Hop, donc il y a Valérie qui partage son site. Eh ben pourquoi pas. Allez, je te fais de la pub durant ce live. Je te dois au moins ça. Alors, moi j'arrive toujours après. Pouf, mais non, chère Esther, mais non. De toute façon, tu pourras regarder le replay de toute façon, pas de souci. Bien sûr qu'être en bonne santé, ça aide. Effectivement, c'est la base, en fait. Santé physique, santé mentale. Tu vois, et je rajouterai le dernier élément, l'environnement.
comme je viens d'expliquer il y a quelques instants, l'environnement est super important en fait. Tu vois, je donne toujours l'exemple suivant. Si tu fréquentes des musiciens, je sais pas, ou des personnes. Allez, on va rester sur les musiciens. Tu fréquentes des musiciens qui connaissent pas l'organe, qui savent pas jouer en place. T'as combien de pourcentage de chances de progresser? Pas beaucoup. Tu fréquentes des musiciens qui font déjà des concerts bien, tu vois, même si c'est des amateurs, qui font des trucs des fois en semi-professionnel, qui font des remplacements de bons batteurs. T'as combien de pourcentage de chances, tu vois, d'aller vers le haut? Énorme, tu vois. Mais après, c'est pas juste une question de compétence. C'est une question, encore une fois, d'état d'esprit, de mindset. Est-ce que ce sont des personnes bienveillantes? Est-ce que ce sont des personnes respectueuses? Est-ce que ce sont des personnes gentilles? Tu vois, ce sont des personnes qui sont toujours dans les critiques. Ouais, t'as vu, lui, parce que les musiciens sont forts pour ça, notamment les chanteuses. Tu vois? Et l'ego qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois? Donc, moi, je sais que quand je vois les trucs comme ça, je dis rien. Tu vois, je suis pas là pour refaire le monde. Mais dans ma tête, je me dis, ok, c'est pas forcément des personnes que je vais fréquenter sur le long terme. On se voit pour le travail, on est collègues, c'est cool. Ciao, basta. Et c'est vraiment super important, tu vois, de développer cette culture-là pour ton esprit. Tu vois, pour toujours être focalisé sur le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, et avancer dans la joie, le bonheur et le plaisir. Ah, Joséphine. Même si tu t'appelles pas Joséphine. Ça fait plaisir de te voir, c'est cool. Alors, comment travailler sa vitesse sans avoir de crampes? Super question. Comment travailler sa vitesse sans avoir de crampes? Alors, je sais pas si tu étais là tout à l'heure, je parlais d'étirements. Moi, je t'invite à faire des étirements. Donc, t'es pas obligé de faire de la gym. Mais après, je connais des grands bassistes, tu vois, qui sont passés par la gym, des choses comme ça. D'ailleurs, si tu regardes les bassistes américains, souvent qui sont vraiment badass, ils sont rarement gros, ils ont toujours des muscles comme ça, c'est pas pour rien, parce qu'il y a une hygiène corporelle, tu vois. Parce que jouer de la basse, même si c'est facile, tu vois, contrairement à d'autres instruments, bah, il faut quand même porter le poids de l'instrument, tu vois, il faut quand même développer de l'endurance d'un point de vue musculation, musculaire, tout ça. Donc, c'est pas si facile que ça, en fait, finalement, tu vois, si on analyse. Alors du coup, pour répondre concrètement à ta question, donc étirement, respiration, hydratation, voilà. Et puis après, pratiquer lentement. En fait, le secret de la vitesse, c'est la pratique lente. Et tu vois, tu prends une phrase, Do majeur, doigté vertical. Et tu vas essayer de décortiquer, d'analyser ta position, tu vois, et dire est-ce que mes doigts sont bien posés? Parce que si tu n'arrives pas à prendre de la vitesse, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de ta posture. Puis après, tu peux aussi t'amuser à faire des exercices, par exemple, des exercices techniques. Dans le sens, là j'ai joué juste une gamme straight, tu vois. Tu peux t'amuser à faire ça en tierce, par exemple, en tierce posée. Chante la septième majeure pour rigoler. Et tu peux t'amuser à faire ça en sixte. Etc. Le but, c'est vraiment de contrôler tes doigts en fait. Parce que si tu contrôles ce que tu fais et que tu le fais de manière lente et détachée, tu peux analyser ce que tu fais. Tu vois, si par exemple tu as les doigts comme ça et que ta posture est comme ça va être un peu compliqué de prendre de la vitesse. Alors que justement, si tu fais tout ce travail d'analyse en plus devant un miroir et que tu analyses vraiment ta posture, ok, tu vois, tu vas réussir à prendre de la vitesse beaucoup plus facilement. Voilà, chère Esther, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. Alors, après le kangourou, le gorille, je me réjouis de faire le bonobo. Eh ben, pourquoi pas? Fais ce qui te passe ou plat, fais ce qui te passe par la tête. Ce qui compte, c'est le résultat. Rafegui, est-ce que tu aurais un conseil à partager pour être en rythme? Car j'ai tendance
à être un chouïa à côté, légèrement en avance, c'est pas très léger. Ben, moi, ce que je recommande, je sais pas si tu es inscrit sur le blog, mais sur le blog, je partage une formation sur le Conocall. C'est gratuit, il suffit juste de t'inscrire, tu mets ta meilleure adresse email et on voit tous les débits rythmiques de 1 à 10. Donc, tu vas voir tam, taka, takit, taka, dimi, dadigé, natom, takite, tikite, etc. Enfin, de 1 à 10, tu vois. Et l'idée, c'est de t'amuser à switcher entre débits rythmiques. Parce que souvent, un des problèmes que je vois souvent chez les musiciens, c'est pas que chez les bassistes, quand tu passes d'un débit, par exemple, de triolet de croche à quatre doubles croches, il y a toujours un léger temps d'adaptation, en fait. Et ça, c'est parce que tu ressens pas encore, enfin toi ou les musiciens en général à qui ça arrive, et je suis passé par là aussi, hein, pas de souci, c'est qu'on n'arrive pas encore à dire, ok, donc takit, 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 ok, quand je le fais tout seul, ça va. Takadimi, takajuno, takadimi, takajuno, takit, takit. Tu vois, il faut que, boum, il faut que ce soit comme ça. Et l'idée, c'est de t'entraîner, de passer d'un débit, donc par exemple deux croches, à trier deux croches, ensuite trier deux croches, quatre doubles croches, deux croches, deux croches, quintolé de double croche, de t'amuser à faire ça constamment. Et une fois que tu vois que ça commence à devenir propre, tu vas y placer des syncopes. Tu mets des syncopes, voilà, tu t'amuses, tu décales les choses comme tu veux, tu joues au Lego. Enfin, moi, j'ai fait ça énormément, je le fais encore aujourd'hui dans ma pratique. Et du coup, c'est pour ça que quand je me retrouve avec des tablistes qui vont faire des trucs compliqués dans du 11, du 18 ou je sais pas quoi, bah, j'ai pas de problème vis-à-vis de ça parce que j'ai le débit, c'est clair, la vision rythmique, tu vois, sur la pulsation est claire. Et juste, je vais essayer de m'amuser avec ce qu'ils font. Ok, tu fais un truc compliqué, je vais essayer de te rejoindre. Je vais faire un truc simple pour que ça fasse un petit peu de relief. Ah, tu fais un truc simple, je vais partir dans ton délire compliqué à ma manière, tu vois, etc. Et de faire de la musique, tout simplement, tu vois. Donc, oui, s'il y a une chose que je pourrais te donner, comme c'était ta question, de décortiquer le rythme et lentement. Ouais, parce que si tu fais ça lentement, tu vas faire un takit, dikit, ta, ka. Takit, dikit, da, di, ge, na, tom, ta. Tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu sais, ah, il faut vraiment maîtriser le temps. Et ça va venir avec ta pulsation intérieure, avec ce que tu ressens. Et il faut vraiment développer ça avec ton métronome lentement, en fait. Tu vas t'amuser à faire tous les débits lentement. Et encore toujours lentement, t'amuser à changer les débits. Et tu vois que boum! Et t'as pas besoin de ta basse, tu poses ta basse, tu fais cette optimisation rythmique sans ta basse. Juste tu poses, tu tapes dans les mains, tu danses, tu chantes. Ça va le faire. Alors, je vois qu'il y a plein de questions qui sont arrivées. Oh, Mr. Vishesh, from India, how are you, bro? Yeah, groove like a pig. De rien, Esther, avec grand plaisir. Quelles sont les premières choses à faire pour être une grande bassiste vraiment ou un grand bassiste? Ouh là là! Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un grand bassiste? Faire 2 mètres? Non, je déconne. J'ai mangé un clown. Clown de pig. je sais pas, en fait, on a tous, tu sais, des visions différentes. Il y a des gens, pour eux, des personnes, pour eux, Jaco, c'est un grand bassiste. Il y en a pour qui c'est pas un grand bassiste, il y en a pour qui un grand bassiste ça va être Carole Kay, tu vois. Fais ce qui te semble juste et cherche pas forcément à être un grand bassiste. Si tu dois devenir une ou un grand bassiste, tu le deviendras. Là où tu dois focaliser plutôt ton esprit, c'est comment je peux servir la musique. Parce que les grands bassistes, ils font quoi? Ils servent la musique. Ils arrivent pas, ils disent, je suis un grand bassiste. Je suis 4 mètres de long, comme un. Non, tu vois, ils mettent les autres en valeur. On est là pour faire de la musique, on est là pour jouer au maximum des choses jolies, belles, qui vont toucher les autres. Tu vois, ça, c'est un reproche que je fais assez souvent aux musiciens professionnels, enfin, une certaine catégorie de musiciens professionnels, qui sont toujours dans cette démarche de, ouais, tu vois, moi, c'est l'ego, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, malheureusement, mais qui veulent démontrer qu'ils connaissent des choses. Fondamentalement, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Je veux dire, on connaît tous des choses. Et après, oui, tu connais ça. Et so what? En quoi ça améliore ma vie? Enfin, tu vois, c'est pas du tout pertinent. Tu vois? Alors que si tu joues une ligne de basse
qui va me faire pleurer ou qui va me donner envie de voir ma chérie et viens, on fait l'amour en écoutant cette musique parce que c'est trop bon, c'est trop beau, j'ai envie de kiffer ce beau moment avec toi. Là, ouais, t'as réussi, t'es un grand bassiste, une grande bassiste, un grand musicien parce que tu fais en sorte que notre vie s'améliore avec ce qu'on écoute. Tu fais partie de ma vie, du coup. C'est-à-dire que, tu vois, pourquoi, par exemple, des musiciens comme, je sais pas, James Brown, ou des bassistes, on va parler des bassistes plutôt, des bassistes comme Richard Bona ou d'autres grands musiciens, bah, ils cartonnent parce qu'ils ont compris ça. Tu vois, ils ont compris ça. On est là pour servir la musique, on est là pour. Tu vois, c'est plus facilement. Enfin, c'est pas méchant, mais tu peux écouter Richard Bona en voiture, en faisant la cuisine, en faisant l'amour plus facilement qu'un bassiste qui va arriver, qui va dire. Enfin, en tout cas, pour moi. Encore une fois, ça n'engage que moi. Tu vois, pourquoi? Parce que ça va être, tu vas assimiler la musique à une émotion positive. Parce que la musique est déjà positive. Tu vois, c'est pas une musique qui est faite pour genre, tu sais, regarde, moi j'en ai une grande de manche. Tu vois, c'est plutôt genre, hey, on passe un bon moment, je te raconte une histoire, je te partage un vécu, tu vois. Et du coup, ça fait partie de ta vie. Parce que tu es dans un moment de ta vie où, je sais pas, tu as perdu un ami ou je sais pas quoi. Ou alors les impôts t'embêtent ou j'en sais rien, tu peux pas payer ton téléphone. T'es en 12D, etc. Mais du coup, la musique que tu es en train de t'écouter, elle te permet de tenir dans la vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose de positif. Et du coup, boum, là, tu deviens, pour moi en tout cas, si je devais te donner une définition de grand bassiste, ces critères-là en feraient partie. Yeah, Mr. Shashank. Alors, pour aller plus vite, Esther, il faut sans doute être moins crispé, etc. Super. Alors, d'après toi, comment tu découperais la première année d'apprentissage d'un débutant? J'ai eu ma basse en janvier et je kiffe l'instrument, mais parfois je ne sais plus trop quoi faire. Excellente question. Alors déjà, ça dépend du temps que tu as à investir avec ton instrument. Ce que je dis toujours, vaut mieux, et c'est prouvé, hein, c'est pas juste moi, mon ego. Mon expérience ou quoi, mais vaut mieux s'entraîner 2 minutes par jour. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus où j'explique pourquoi. C'est une méthode scientifique d'ailleurs qui a été prouvée. C'est rigolo. Vaut mieux s'entraîner 2 minutes par jour et de le faire de manière consciente que de s'entraîner une fois 10 heures, une fois par semaine. Tu vois? Parce que t'es pas dans un état d'esprit, t'es pas dans un mood de constance. Tu vois? Quand tu fais les choses une fois, bah t'es une fois dedans, oui, à fond. Puis après tu passes autre chose, tu regardes des vidéos de chats, Netflix, la pluie qui tombe, tu te poses des questions philosophiques sur les trèfles qui poussent, etc. Mais t'es pas dans la continuité de développer un état d'esprit de créativité. Donc t'es pas dans un processus, tu vois, qui fait que bah, tu vas amener ta musicalité, ton jeu, ta personnalité, ta spiritualité à un next level, tu vois. Alors vaut mieux, moi ce que je recommande, débutant ou pas, de toute façon ça s'applique à tout le monde, tu pratiques tous les jours, même 10 minutes si t'as que 10 minutes à offrir. Et ensuite, tu vas cibler des éléments, des points qui te paraissent douloureux dans ta journée musicale. C'est pour ça que tu dis débutant ou pas. Par exemple, si pour toi la lecture est quelque chose d'important, parce qu'on t'a dit que c'était important, du coup, tu as assimilé ça comme quelque chose d'important et c'est devenu important, fais de la lecture. Tu fais, par exemple, 10 minutes de basse par jour et après, tu vas faire. Enfin, non, on va dire que tes 10 minutes de temps par jour, c'est ta pratique pour tout de manière globale. Tu vois, on va être plus malin que ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu vas faire 5 minutes de basse. Et tu vas faire 2 minutes 50 de lecture. Et tu chronomètres et tu notes tout. Tu prends un cahier, t'écris cahier groove like a pig pour progresser. Tu vois. Et du coup, tu vas mettre la date, donc 2020, 09, je sais pas quoi, tu vois, le jour. Moi, je fonctionne comme ça, je mets toujours année moins jour. Et est-ce que tu pratiques le tempo, est-ce que tu as fait, et où t'en es, et où ça bloque. Et quand ça bloque, tu vois, c'est pas grave, ça bloque, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de mal. Mais une fois que tu arrives à tes 2 minutes 50, tu vois, par rapport à l'exemple, tu t'arrêtes vraiment pour ton chronomètre a sonné. Ok, bah j'aurais aimé faire plus, bah non. Là, il me reste encore 2 minutes 50, je voulais faire du rythme, et ben tu fais du rythme. Mais si tu fais ça tous les jours, parce que tu es régulier, tu vois que tu vas exploser rapidement, en fait. Que de t'entraîner une fois par semaine, une fois par mois, ou une fois quand tu y penses, etc. Donc c'est vraiment être constant, être régulier, 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 régulier. Et de ne pas assimiler ça. J'insiste là-dessus pour ce que je vais dire, de ne pas assimiler ça à du travail. C'est pas du travail. Tu pratiques pour devenir meilleur. C'est du génial, tu imagines? C'est de la pratique instrumentale. C'est pas un travail. Tu vois, même pour moi qui suis professionnel, m'asseoir, faire des gammes, que ce soit au piano pratiquer mon rhythm gamme que vous voyez pas qui est juste là à côté, c'est pas pour moi, c'est pas un travail. Si je fais nam 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 dim dim dili kitata, dili kitata, dita, tom, nam, tu vois,
Pour moi, ce n'est pas un travail, c'est juste, ok, je cherche à améliorer le son sur ma percussion, je cherche à améliorer mon placement rythmique, je cherche à développer mon ressenti, etc. etc. Tu vois, c'est un plaisir, il faut assimiler ça du plaisir, parce que c'est ta finalité, ce que tu veux, c'est pouvoir t'exprimer avec ta basse, quoi. Faire parler ta basse, tu vois. Donc si tu assimiles ça à du plaisir, comme j'aime le dire, ben, tu auras du plaisir au bout des doigts, c'est garanti. Hop. Merci beaucoup, je vais suivre ton conseil avec grand plaisir. Bonjour Monsieur Berby, pensez-vous qu'il est possible de réussir, de se faire connaître en exposant ses créations sur Internet, et si oui, comment? Alors, mettre se plaint. Alors déjà, faut pas se plaindre. Je fais des jeux de mots. Alors moi, je vais te partager, en tant qu'entrepreneur et musicien, mon point de vue. Alors que je fais cette vidéo, donc on est en live, on est tous ensemble, tu vois. Oui, pour un musicien, pour un artiste, si t'es pas en ligne aujourd'hui, t'es mort. Alors il y a plein de gens, surtout en France, avec les pensées limitantes qui vont venir te dire, ah mais non, c'est de la dictature, tu joues le jeu de Google, Apple ou quoi. Mais moi je trouve que si tu utilises ça, je suis un opportuniste déjà. Mais si tu utilises la mentalité de l'opportuniste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu te donnes la chance et les moyens de faire connaître ton travail. Parce que quand tu crées du contenu, que ce soit des compositions musicales, que ce soit écrire des articles sur un blog comme je le fais, ou faire des vidéos sur YouTube, c'est pour partager ce que tu sais faire avec le monde entier. C'est pour partager tes compétences, pour partager ton plaisir. Tu vois, si demain tu veux sortir un album, tu souhaites que cet album soit écouté par le plus de monde possible, et pas juste ta grand-mère, ton poisson rouge et ton hamster. Tu vois? Donc oui, il faut avoir une chaîne YouTube, il faut faire les choses intelligemment, il faut proposer du contenu de qualité, donc tout le monde ne le fera pas. Toujours des gens qui vont venir se plaindre, ouais, mais c'est les mêmes qui se plaignaient avant quand il y avait l'esclavagisme des labels, tu vois. Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est génial parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Moi j'ai toujours été contre, d'ailleurs c'est pour ça que je suis toujours indépendant. J'avais une société quand je vis en France, j'ai ma société en Estonie, donc je suis un entrepreneur. Un musicien, un artiste entrepreneur, et je l'assume aujourd'hui. J'ai pas honte d'en parler, tu vois, et c'est génial. Après, c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Ça, je le comprends et je le respecte aussi. Mais en tout cas, tu as cette chance-là, tu as cette opportunité de fou aujourd'hui de pouvoir présenter ton travail au monde entier. C'est quand même génial. Et le but, c'est pas de faire pour moi, de la compétition de oui, j'ai 10 000 vues, c'est moi qui ai la plus grosse. Non, pars du principe de avant, quand tu sortais un disque et que tu n'étais pas connu, d'accord, et que tu étais indépendant. Qu'est-ce qu'il te fallait comme effort et énergie pour que 100 personnes puissent écouter ta musique? T'as pas les moyens d'avoir un ou une attachée presse pour passer à la radio. Quel effort considérable, énergie, temps, mental, il te fallait pour pouvoir diffuser ta musique? C'était énorme! Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu as ta page Facebook, tu partages, tu as 10 likes, tu as 10 vues, tu as 100 vues. Déjà, c'est génial! Il y a 100 personnes qui ont vu ton contenu. C'est juste ouf! C'est super! Tu vois, bon état d'esprit! Donc, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Après, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse. Mais en tant qu'entrepreneur, tu vois, et artiste, j'imagine pas, à l'heure d'aujourd'hui, en plus, comme l'industrie de la musique est morte, et ça, c'est un cadeau pour nous, tu vois, ne pas être en ligne. Bah non, je prévois de ressortir un album, et je ne vais pas faire la même chose que ce que j'ai fait pour mon premier album, Métis Maloya. Je vais faire plus gros, je vais faire plus fort, parce que j'ai déjà réfléchi à tout ça. Tout est déjà prêt. Tu vois? Et l'idée, c'est de faire connaître vraiment ta musique au plus grand nombre, de la manière la plus intelligente, et de faire de la belle musique qui va toucher les gens. C'est pour ça que tu fais de la musique. Tu fais pas de la musique, encore une fois, pour que ce soit ta grand-mère et ton poisson et ton hamster qui t'écoutent, qui font. Tu Donc pour répondre. Je suis désolé, j'ai toujours mangé un coup comme d'hab. Donc pour répondre à ta question, oui, en fait, il faut que tu exposes ton travail. Il y a des gens qui vont pas aimer, qui vont te critiquer, encore une fois. Est-ce que tu fais de la musique pour ces gens-là? Je ne pense pas. Est-ce que sur ton lit de mort, tu penseras à ces gens-là? Je ne pense pas non plus. Tu vois? Donc pourquoi tu fais de la musique? Pense à ça, la grande question. Ton vrai pourquoi, c'est pourquoi tu fais de la musique? Tu vois? Fais de la musique parce que tu as du plaisir, parce que tu as envie d'exprimer des choses. Focalise-toi là-dessus. Tu vois? Et tu attireras les bonnes personnes autour de toi, tout simplement, en toute transparence. C'est simple. Alors, j'essaie de caler 1 heure par jour. Donc ça, c'est Amir, en moyenne. Et je profite du télétravail du confinement. Ça, c'est intelligent. Bravo. Oscar de Pig de gestion du temps. Génial. Salut, s'il te plaît, pour la gamme majeure, comment
est-elle utile pour toi, pour mieux, pour les petits passages? Ouh là là! Alors, comment je vais répondre à ta question de la manière la plus pertinente et intelligente? S'il te plaît, pour la gamme majeure, comment est-elle utile pour toi, pour mieux faire connaître les petits passages? Alors, en fait, déjà, en toute transparence, je pense pas en termes de gamme, je sais que ça peut paraître bizarre, je pense en termes de mélodie, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai une tonalité, et je vais toujours avoir dans ma tête des mélodies qui tournent en boucle tout le temps, qui sont prêtes. Tu vois, c'est pas des schémas, c'est des trucs qui sont vraiment improvisés. Je sais pas, je vais faire... Et l'idée, c'est pas de me dire, ah, tiens, là, je suis dans la gamme majeure, là, je suis dans... Oui, si j'analyse un morceau avant de démarrer pour savoir dans quelle tonalité je suis, est-ce que je suis en do majeur, en do mineur, mineur mélodique, harmonique, ou un truc voilà, d'une autre culture, etc., etc. Ok, mais en fait, c'est à Jean-Charles que je disais ça tout à l'heure. Moi, je me focalise vraiment sur l'émotion. En fait, l'idée, c'est d'apprendre des outils, donc d'avoir des outils, les gammes, la technique, le doigté, les positions, et d'oublier ces outils-là. Tu vois, par exemple, quand tu fais de la cuisine, moi j'adore manger, je suis un fin gourmet gourmand, j'adore manger des bonnes choses, je peux dépenser un argent fou là-dedans, tu vois. Quand tu es en train de manger, t'es pas en train de dire poivre, safran, tamarin, rose, sel de l'Himalaya. Non, t'es concentré sur l'émotion, sur ce que tu as envie de ressentir, comment tu vas kiffer ton poulet ou ton plat végétarien si t'es végétarien, et t'es plutôt concentré sur ouais, ce que je ressens, tu vois. Voilà, ben c'est la même approche en fait. Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette tonalité-là? Et après, que ce soit une gamme majeure ou que je joue une gamme mineure au-dessus d'une gamme majeure, ça n'a pas d'importance parce que si tu l'entends et que tu la ressens, ça va passer comme une lettre à la poste. C'est ça qui est beau. En toute transparence. Alors, je vous suis 5 sur 5. Merci, mon coach. Oh. Content de vos conseils depuis la République démocratique du Congo. Comme disent mes amis, on est ensemble. Je viens juste de comprendre pour plaisir. J'adore les blagues en fait, tu vois. J'adore les blagues, j'adore les jeux de mots, j'adore les contrepétries notamment. Un grand fan de contrepétries, j'ai pas mal de livres là-dessus à la maison. Et je me régale toujours à lire des choses comme ça et apprendre. Et voilà, c'est bon pour l'esprit. C'est bon pour le moral. Alors, comment se motiver pour mettre nos idées en pratique? Alors, comment se motiver pour mettre nos idées en pratique? Fais-toi un agenda. Tu vois, tu te fais un agenda de quel est ton objectif court terme, moyen terme, long terme. Tu vois, par exemple, pour le blog, j'ai un agenda, j'ai un calendrier de publication. Je sais ce que je vais publier sur le blog jusqu'au mois de septembre. Voilà. Et après, je crée les articles au fur et à mesure, où la plupart sont déjà créés, et j'ai juste à le partager, à le publier, etc. Mais bah, pour ton disque, c'est pareil. Si tu bosses à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il va te falloir un attaché presse, ça va te coûter cher. Ça va te coûter de toute façon quelque chose. Moi, ce qui m'énerve dans ce procédé-là, c'est que l'artiste, il est toujours en bas de l'échelle. Tu payes ton distributeur en premier, wouhou, super! Tu payes ton ou ta attaché presse de 2K euros, wouhou, super! Même s'ils font super bien leur job. Et qui tu vas encore payer? Tu vas payer certaines radios, des sponsors, des magazines, des choses comme ça pour augmenter ton autorité et le fait qu'on te voit partout. Genre, ah ouais, t'as vu, il fait sa promo, super, gna. Est-ce que c'est vraiment utile à l'heure d'aujourd'hui? Je suis pas convaincu. Tu démarres ta chaîne YouTube, tu es en mode authentique, tu partages ton travail. Il y a des gens, encore une fois, à qui ça va plaire. Il y a des gens à qui ça va plaire. Tu proposes ton album, simplement, voilà, et c'est simple. Et tu essaies d'organiser des concerts, enfin, c'est simple. Non, c'est pas simple à mettre en place. Enfin, si, c'est simple à mettre en place, mais c'est pas simple dans le sens où pour avoir du résultat, ça va te demander du temps. Donc, il y a cette solution-là où tu fais ça tout seul, comme moi, c'est mon cas, ou alors, tu t'entoures d'une équipe, tu vois. Et dans ce cas-là, bah, tu achètes le temps de quelqu'un d'autre qui va t'aider. Donc, ça peut être un assistant, une assistante qui va s'occuper de faire la diffusion de ton disque, de promouvoir ton album, etc., etc. Mais en tout cas, de planifier
Ok, à partir de telle date, on enregistre le disque. On l'enregistre où, comment, avec qui, pourquoi, je suis tout seul, je suis en duo, nanana. Ensuite, telle période, boum, je vais devoir démarrer la promotion. Est-ce que je cible les radios? Est-ce que je fais de la promotion à la télé? Est-ce que je fais de la promotion, tu vois? Juste d'avoir une stratégie. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour mon album, Métis Maloya, ça a super bien marché. J'ai tout prévu, j'avais tout prévu 2 ans à l'avance, tu vois. Et j'avais fait vraiment ma stratégie dans un tableur comme ça. Et même, je me rappelle à l'époque, Séverine, mon attaché presse, je lui ai dit, tiens, il faut contacter tel média. Il était là, ouais, mais tu sais, t'es pas assez connu, hein, t'es pas assez grand. Écoute, j'ai tout prévu. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Je te paye. Est-ce que tu peux faire ce que je te demande, s'il te plaît? Et c'est là où on a eu les meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que si tu as une vision de ce que tu veux faire et que tu sais ce que tu fais, tu auras toujours des résultats derrière. D'accord? C'est super important de comprendre ça. Et musique, pas musique, tu vois, demain, tu rencontres la femme de ta vie, vous voulez avoir des enfants, acheter une maison. Tu ne vas pas acheter une maison comme ça. Non, vous allez devoir planifier. Ok, bah, peut-être qu'on fait un bébé après acheter la maison. Comme tu as un CDD, j'ai un CDD, et puis on a tous les deux de l'argent de côté. Peut-être mieux qu'on fasse construire la maison ou on achète une maison en rénovation. Une fois que cette partie de la rénovation-là, on est presque prêt pour accueillir bébé, on lance la machine bébé, etc. Enfin, tu vois, il faut faire les choses intelligemment. Ce n'est pas parce qu'on est des artistes qu'on est teubé. Ça, c'est l'ancien, tu vois, modèle économique où les artistes étaient considérés un peu comme des Africains, tu vois, c'est genre, on est dévalorisé, on est des gens teubés, on n'est pas capable de gérer tout seul. Moi, je suis contre ça, tu vois. Je déteste ça. Un artiste, tu vois, il apporte tellement de valeur au monde, on n'a pas besoin de ces bouffons, tu vois, pourquoi faire? Tu vois, ça se passe entre là-haut, la musique, et moi. That's it. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un au milieu. Pour le reste, ciao! Ça a marché pendant 100 ans d'esclavage, tu vois, où les artistes donnaient 50% de leurs droits d'auteur, donc c'est les éditions, tu vois, aux maisons de disques. Moi, je suis contre ça. Après, encore une fois, ça n'engage que moi, mais pour rebondir à ta question, il y a celle que tu avais déjà posée avant. Moi, je fais ça. Je planifie, je planifie, je planifie. Tout n'a pas besoin d'être parfait, mais sois authentique, sois sincère. Fais pas comme les artistes qui vont demander des subventions, qui vont appeler des gros noms pour donner. Pff, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, par rapport à mon grand-père, ton cabot sera pas plus gros en fait, tu vois. Fais ce que tu as à faire, fais-le de manière authentique, ça ira, tu vois. T'as pas besoin d'aller faire des trucs chelous pour réussir. Voilà. Comment peut-on faire la promotion de son travail sur Internet? Bah, je t'ai dit, tu crées une chaîne YouTube. Tu crées une chaîne YouTube. Voilà, bonjour. Je m'appelle Med Se Plaint. Donc déjà, peut-être qu'il faudrait que tu changes le nom de ta chaîne sur YouTube, parce que c'est pas du tout positif. Tu vois? Bonjour, je m'appelle Med Joyeux. Tu vois, c'est déjà plus intéressant. Je sais pas quel instrument tu joues, si tu es bassiste, guitariste, chanteur, ou si tu joues tout ça, tant mieux. Voilà ce que je fais. Je crée des chansons et je voudrais vous partager mes chansons, mon univers musical. Et that's it. En fait, il faut pas jouer le jeu de. Tu sais, sur Internet, malheureusement, les gens sont dans l'ego. Ah, un tel a liké mon truc. Oh, un tel a commenté. C'est cool, mais est-ce que tu as besoin de ça? Je ne crois pas. Tu vois, encore une fois, est-ce que sur ton lit de mort, tu vas te rappeler que Jean-Jacques Goldman a liké ton post Facebook, même si ça fait plaisir à ton ego? Non. Est-ce que ça va changer ta condition humaine et sociale? Non. Tu vois, ça nourrit juste ton ego. Donc, pourquoi tu fais ça? Tu vois, pourquoi tu fais de la musique? Parce que tu as envie de partager des choses. Donc, crée ta chaîne YouTube dans une démarche sincère et authentique de vouloir partager ton travail. That's it. Rien de plus. Tu vois? Oui, ne t'inquiète pas, je ne prévois pas de faire ce projet avec le nom, mais de se plaindre. Ouais, tu vois? Mindset, état d'esprit positif. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que s'il n'y a plus de questions, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est déjà en live. C'est génial. 1h40. Oh, ça passe trop vite. En tout cas, c'est vachement cool. J'adore faire des sessions questions-réponses comme ça, c'est juste mortel. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, je ne vais pas devenir un dévoreur de temps. Je vous libère et je me libère en même temps. Donc, j'attends encore quelques secondes et s'il n'y a plus de questions, je vous laisse. Métis Maloya est un très bel album. Ah, merci. Eh ben, je prévois d'en sortir un prochain. Je ne sais pas encore quand. Enfin, si, je sais, mais je ne partage pas encore les dates et tout ça. Mais non, j'ai plein de belles choses à partager encore. Ce sera totalement différent de Métis Maloya, mais.
Le but, c'est toujours d'évoluer, de progresser, de faire des choses mieux. Je commencerai à communiquer dessus quand, pour répondre à ta question, en fait, à quand le nouvel album? Alors, merci pour ton partage et ta bonne humeur. Avec grand plaisir. D'accord, merci beaucoup. Comment tu arrives à groover sur les rythmes africains? Sur les rythmes africains, s'il te plaît, si tu peux enseigner vite fait un jeu ternaire, cela nous aidera beaucoup. Bah, j'ai mieux que ça. Tu t'inscris sur le blog bassispro.com et j'ai une formation qui est gratuite. Il suffit juste de mettre son email. Et il y a deux grooves à l'heure actuelle parce que ça va t'augmenter aussi. Il y a un groove sur le Bikutsi et un groove sur le Makossa, donc le Cameroun. Parce que j'aime énormément les musiques d'Afrique, peu importe le pays, de toute façon. Mali, Cameroun, Sénégal, juste, tout ça, c'est des cultures tellement puissantes. Madagascar, enfin bref, c'est. Je comprends pas en fait qu'on appelle ces pays-là tiers-monde en fait. C'est des pays qu'on pille, enfin bref, je vais pas faire de la politique, mais c'est des pays qu'on pille et qu'on ose dire tiers-monde. Alors c'est des pays qui sont riches dans le sol, qui sont riches culturellement, qui sont riches émotionnellement, qui ont tout à offrir au monde. Enfin, c'est juste scandaleux, cette mentalité de cassos à l'heure d'aujourd'hui. Yeah! Ouais, ça va être bientôt la soirée pour moi. Il est 18h45 à Tallinn. J'ai un gros ampli qui siffle. Ah, les dernières questions arrivent du coup. J'ai mon ampli qui siffle et claque un peu. Quand je rapproche mes doigts des cordes, comment régler ce problème? Alors, c'est certainement un réglage de la hauteur de tes micros. Ça veut dire que. Ça veut dire qu'en fait, tes micros, je vais le faire. Tu dois avoir des trucs comme ça parce que soit tes micros sont pas bien isolés, ce qui est fort possible. Donc il faudrait que tu fasses, comment on appelle ça déjà, une cage à Faraday, si je dis pas de bêtises. Tu vas dans un magasin de musique, le plus près de chez toi, avec des personnes compétentes. Tu leur demandes d'isoler tes micros, d'isoler aussi la masse pour pas avoir de buzz et que ça fasse l'antenne, etc. Et tu règles la hauteur de tes micros avec les cordes. Et ça devrait partir incessamment sous peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je sais déjà qu'un nouvel album va arriver bientôt. Oui! Oui, je pense que je vais commencer avec des. Avec un ou deux ou trois ou quatre ou cinq EP, on verra. Mais en tout cas, avant de refaire un album complet, j'ai envie de tester des choses. Merci à tous pour vos questions et Johan pour les réponses. Eh bien, merci à toi pour ta présence. Merci à vous tous d'ailleurs pour votre présence, votre participation. Je kiffe ta Warwick. Moi aussi. Je vais en avoir une nouvelle bientôt d'ailleurs. Deux nouvelles. Je peux vous partager ça si je les ai vite fait quelque part. Est-ce que je les ai? Je vais regarder ça. Si je le trouve, sinon, bah, tant pis, je vous partagerai ça plus tard. Hop. Oui, vous avez de la chance. Bon, je vous montre mes deux futurs bébés en avant-première. Pourtant, je ne suis pas un geekos. De matos, mais là j'ai décidé cette année de me faire plaisir. Ça fait 10 ans cette année que je suis sponsorisé chez Warwick et j'en ai jamais vraiment. Boum, je les balance à l'écran comme ça. J'en ai jamais vraiment profité. Donc, ça c'est la première basse, donc 5 cordes. J'imagine que normalement vous devriez la voir. Hop, et la deuxième basse, boum, comme ceci. En 4 cordes, c'est le même modèle mais en 4 cordes. Je rebond vite fait sur le rythme. Moi, je fonctionne à la tablature. Bah, y a pas de souci, Esther. En fait, ce qui compte, c'est le résultat. Hein. Donc, pas de problème. Bah, pour répondre à ta question par rapport au groove africain et sur le jeu, tout est dans les formations que j'offre gratuitement sur le blog bassispro.com. Encore une fois, tu t'inscris, c'est gratuit. Et t'as des vidéos, t'as des PDF, enfin, t'as tout. J'ai mis des backing tracks. Enfin, tu vas vraiment t'amuser. Il y a de quoi faire. Une chanson pour toi. Pays pillé du Grand-Pierre à Kadengué.
Est-ce que tu peux me l'envoyer, s'il te plaît, via Messenger? Ce sera plus simple. Parce que quand je vais fermer le logiciel, je vais perdre, j'ai peur de perdre les liens. Parce que là, je ne suis pas sur Facebook. En fait, je suis partout en même temps, mais pas depuis Facebook. Donc, c'est pour ça. Je prendrai plaisir à regarder tes liens. Alors, j'ai testé le maintien des cordes, comme tu as dit, et ça change tout. Cool, c'est simple mais hyper efficace. Maintenant, je vais faire en sorte de maîtriser ça. Et ben voilà, elle est pas belle la vie. Trop fort. Toi, plus Larry Graham, plus Davy 504 et Marcus Miller, être les raisons pourquoi j'ai commencé la bosse. Wow, hey, c'est violent ça. Merci du fond du cœur. Merci à vous tous d'être là, de soutenir la chaîne, le blog. Et n'oubliez pas, en fait, pour les publications de contenu, donc tous les lundis, il y a les vidéos du lundi Grovy. Tous les jeudis, il y a un article qui est publié sur le blog. Donc c'est soit un article pédagogique, soit un article biographique. J'aime bien alterner, parce que bah, j'adore la culture. Donc je pense que juste faire des exercices, exercices, et ne pas connaître la vie des musiciens, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Parce qu'on a plein de choses à apprendre sur leur parcours, comment ils conçoivent la musique, comment ils en sont arrivés là. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Et tous les vendredis, il y a un épisode des conversations de Pig qui est publié. Donc voilà, c'est trois contenus par semaine, de manière régulière, constante, tout le temps, qu'il neige, qu'il pleuve, et qu'il y ait un coronavirus ou une guerre atomique. Alors, je veux bien récupérer celle que tu as actuellement signée de ta main. Non, je ne peux pas, je suis désolé. Émotionnel, je ne suis pas matérialiste, mais émotionnellement, ça va être un peu compliqué. Alors, un grand merci pour toutes tes vidéos sur YouTube. Tu sais vraiment communiquer tes connaissances avec pédagogie et savoir-faire. Alors, je ne vois pas ton prénom, malheureusement, mais merci du fond du cœur. Merci beaucoup, merci. Cage de Faraday. Eh ben voilà, c'est ça. Du papier alu autour des micros, dessus, bien entendu, relié à la masse, le conducteur et qui est l'extérieur du câble. Merci. Super. Bah, du coup, je vais vous laisser quand je vois qu'il n'y a plus de questions. Je comprends, ne t'inquiète pas, je vais blaguer. Du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, puisqu'il est. Enfin, ça dépend d'où vous êtes, du coup. Mais ici, il est 16h51, voilà, à Tallinn. Donc, il va être 17h. Je vais aller passer du bon temps avec ma famille, voilà, avant de me remettre au travail. Et puis, on se donne rendez-vous bah, sur la chaîne YouTube, sur le blog, ou prochainement, avec grand plaisir, dans l'université Groove Like a Pig. Donc, je referai forcément un live le jour où les portes ouvriront pour pouvoir vous expliquer comment ça va se passer, etc., etc. Et je serai très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette université en ligne, dans la bienveillance. Voilà, il y a le forum, enfin, il y a plein de choses, vous allez voir. Je travaillais vraiment comme un fou, voilà, pour que tout le monde ait du plaisir et que tout le monde puisse progresser. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce live et puis je vous dis à très bientôt, voilà, par email, en commentaire, dans la joie et la bonne humeur. Ciao! Et n'oubliez pas, groove like a pig, comme d'hab. Allez, on se quitte. Je remets un petit coup de jingle pour le principe. Soyons fous. Ciao!